Préparé ce soir avec des invités formidables, une émission spéciale bêtisier à l'occasion des fêtes de Noël, c'est pour ça qu'il y a des sapins partout. Et les boules, ce sont les invités qui les auront tout à l'heure avec les casseroles que nous avons préparées pour eux. Amusant. Accueillons le premier d'entre eux, John Fashion London. Il est là parmi nous, c'est un plaisir que de l'accueillir, le roi de la mode, mesdames et messieurs, Jamel Debbouze. Et la mode, c'est toujours pas son truc, mesdames et messieurs, Jean-Marie Bigard. Sur les autres, vas-y. Jean-Marie, très bien, hein, le Dirlo, 10 millions de téléspectateurs. Oui. J'espère qu'on fera aussi bien ce soir avec vous. À vos côtés, l'excellent, très très à la mode, même s'il se cherche dans son style lui aussi, José Garcia est avec nous. Ce soir, nous accueillons. Oh, bah dis donc, merci. Ce qui fait plaisir, c'est que chacun est venu avec sa famille. Hein. Attention, donc là, il va falloir faire Christian, après, car parmi les stars du box-office, voici l'un des numéros 1, mesdames et messieurs, Christian Clavier est parmi nous ce soir. C'est, j'ai envie de dire, c'est un plaisir et c'est un honneur que de vous recevoir ce soir. Je pense que personne ne me contredira. Hein, oh non. Du verbe contredire. Je voudrais que l'on fasse un triomphe pour The Master of the Master, monsieur Michel Serrault. Hein. Je voudrais juste dire deux petites choses. Nous sommes en direct sur TF1, il y a d'énormes embouteillages. Nous attendons, écoutez bien les invités, Sandrine Kiberlin, Elie Semoun, Samina Seri et Ariel Dombal. Et ce soir,
Nous allons vivre 2 heures de fou rire avec nos invités pour cette soirée spéciale bêtisier. Et on va commencer tout de suite avec un bêtisier spécial caméra cassée, puisque la dernière fois que vous êtes venu. Cassée. S'il vous plaît. S'il vous plaît, les hooligans, ce sont les caméras qui sont cassées. Ce sont les caméras. Ah non. Attention. Ce sont les caméras qui sont cassées. Et tout de suite, on démarre avec. Après, on me dit toujours, Arthur, faut pas que tu fasses trop de direct, c'est tout le temps la pagaille. Je voudrais juste que prouver que c'est pas que la pagaille. Voici tout de suite notre premier bêtisier. Mais de mytho, menteur. Vas-y, au revoir. Je vais te montrer, moi, fashion. Non, mais alors puisque vous voulez qu'on en parle, j'adore ce petit blouson en croûte de peau de vache, je ne sais pas quoi. C'est très, très sympa. Si je puis me permettre, j'espère que vous avez préparé votre petit chariot pour la Gay Pride, parce que là, vous allez faire un malheur. On retrouve tout de suite notre premier. Par contre, tu m'excuses, tu rendras ton costume à de la rue à la fin de l'émission. Quand même. Je ne sais plus, déjà, ça vient de commencer, je ne sais plus. Ah oui, notre premier bêtisier de caméra qui se casse pendant le tournage, regardez. Alors, on va parler bien sûr pour cette dernière journée du ski, du bien-être. Et dans un premier temps, une question que vous posez peut-être. Oula, qu'est-ce qui se passe, Bertrand? Non, c'est pas, vous inquiétez pas pour la presse. Quand on sort, ouais. Arrangez bien. J'ai eu beaucoup de pression. Moi, personnellement. Et tu fonces avec la Jeep, hein? Oh là là, ça va? What are you running for? It's a sheep. It won't hurt you. Vous aimeriez, dans une autre vie, être chanteur Malheureusement, je n'ai pas de voix, mais j'aurais aimé. Vous auriez aimé de quel chanteur? Ernest Dalí, qui chantait merveilleusement bien. Ouais. Qui? Ernest Dalí. Il chantait quoi? N'importe quoi. Ouais. Et vous, Jamel, vous aimeriez être chanteur? Ouais. Quel genre de chanson? Ernest Dalí, que j'affectionne particulièrement. Que je connais, moi, contrairement Christian, à toi. Si vous deviez être un chanteur, vous aimeriez être qui? Non, mais moi, j'ai chanté sous le nom d'Ernest Dalí. Au début, c'était moi. Alors, en France, on connaît très peu Ernest Dalí. Vous avez chanté quoi, Ernest? À l'époque, on chantait dire la dada, des choses comme ça. D'accord. Des chants relativement populaires, enfin, qu'on chantait avec beaucoup de monde, dans les balles, enfin, Tiroli papi, enfin, exactement, des choses comme ça. Alors, je voulais juste vous rassurer ce soir, l'émission. Vous foutez ce que je vous dis, non? Non, mais parce que si c'est pour poser une question et ne pas s'intéresser à ce que ma réponse, c'est pas la peine de me le demander. Non, mais c'est ça qui irrite. J'ai été interrogé en tant qu'auteur de Ernest. Oui. Il écrivait. Je comprends pas pourquoi on me pose pas des questions sur Ernest. Non, parce qu'au niveau de la chanson, on a une belle casserole pour vous, donc on se la réserve pour tout à l'heure. D'ailleurs, cette émission,
Cette émission sera placée sous le signe de l'égalité. Il y en aura pour tout le monde. Alors. Je n'étais qu'impressario d'Ernest Dalí. Je ne me suis jamais occupé vraiment des affaires après vous, tourner. Vous n'étiez que l'impressario. Oui, d'ailleurs, vous avez une très belle chemise d'impressario. Hein, ah, je vais vous le dire. En France, vous le savez, nous avons des émissions comme Star Academy ou Popstar. Il était d'abord impressario de boxeur. Hein, mais enfin, il est... enfin, ça n'a pas d'importance. Continuez. Vous vouliez dire quoi? Je voulais dire qu'en France, nous avions des émissions comme Star Academy ou Popstar. Et bien en Angleterre, ils ont une émission... Vous produisez aussi Popstar? Non, ils ont une émission qui s'appelle Pop Idol. Et je peux vous le dire, le casting de cette année était extraordinaire. Je vous propose de découvrir l'un des grands moments de Pop Idol. Vous vous souvenez de la chanson de The Eyes of the Tiger, Les yeux du tigre, hein, la musique de Rocky. Hein. Et bien voici une version a cappella made in England. Dans le métier, on appelle ça un carnage. Et pour nous, c'est du pur bonheur. Regardez. Do you honestly believe that you are the next Pop Idol? I think any time will tell. Fabulous. Off you go. Rising up, back on the streets, did my time, took my chances. Went the distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. It's the eye of a tiger, it's the thrill of the fight. Rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night as he watches us the fall in the eye of the tiger. Foxy. He's gone. Oh, Warren, that was great. Oh, mate, that was... Not the reaction I expected, but... No, hey, I'm so... Excellent, anyway. Warren, that was great. Alors, si vous êtes sage... On en a plein d'autres comme ça en magasin. Est-ce que vous avez eu l'occasion, malgré vos emplois du temps chargés, de suivre un peu la Star Academy, Christian? C'est-à-dire non. D'accord. C'est le mérite d'être clair, Jamel? J'étais avec Christian. D'accord. Ben, vous faites exprès. Michel, je sais que vous êtes... J'entends pas ce que tu dis. Ah bon? Non, parce que vous savez que demain, il y a la grande finale de la Star Academy. Je suis bien ce soir, je me sens aidé. Hein. Ah bon, je me sens aidé, je voulais vous le dire. Hein. J'entends pas ce que tu dis. Michel, tu déchires. J'entends pas, faut pas répondre à ces questions, ça mais sert non, à rien. Il est... Alors, on a un cadeau pour les téléspectateurs et pour le public. Nous allons. Non. Merci. Merci. Ne les encouragez pas. On n'y arrivera pas. Je rappelle qu'on n'a pas toute la nuit. Hein. Moi, j'étais tranquillement assis. Hop, attaque frontale sur le blouson. Là, tu payes. Je voulais juste dire que le blouson, c'est rien à côté de ce qui t'attend ce soir, Jamel. Donc, faut se détendre. Alors, ce n'est pas grave. Même seul, je résisterai. On va faire un petit cadeau à nos téléspectateurs et à vous tous qui nous regardez ce soir. On va se connecter avec le château de la Starac où se trouvent Michal et Elodie. On voulait les encourager avant la grande finale. Est-ce que vous nous entendez au château? Merci. Un petit peu de silence, s'il vous plaît. Comment ça va? Ça va. On a un public déchaîné. Comment ça va? Comment vous sentez à la veille de la finale? Bah là, on n'est pas trop stressé en fait. On est calme, on attend. Je crois qu'on va avoir un petit repas. Oui. Ah, il y a une petite ambiance par rapport à ici. Hein. On voulait juste... juste vous faire un petit coucou, vous dire bonne chance. La seule chose, c'est qu'on des pommes, nous on a des boules qui se mangent pas. Alors, vous voulez poser une question, Jamel, à Michal? Ouais. Non, c'est vrai. Là, vous êtes tous les deux dans le château, tous les deux? Vous êtes Michal? On est que tous les deux, oui. Promis. Tous les deux? Oui. Et Michal, sérieusement, entre nous? Non, mais dis-le, comme ça, histoire de... T'es un mytho, quoi, en gros.
En tout cas, on voulait vous dire bonne chance, vous encourager pour demain et vous dire qu'on sera tous fidèles au poste pour cette grande finale. Elodie, Michel, ben, on croise les doigts pour tous les deux. Merci beaucoup. Bon, bravo. À très bientôt. Il est temps. Qui a gagné dans c'est, les deux? C'est demain. Ah d'accord. C'est demain. Mais vous n'avez pas saisi, c'est pour ça qu'il y a une finale demain. Ben oui. Ah oui, mais voilà. Tu ne nous expliques voilà. Pas. Mais dites-moi, vous étiez sur la planète Mars, ça, Christian. Ça va, oui. Jouer, ça va jouer en 3-7 normalement. Oui. Ah d'accord. C'est Wimbledon? Oui, voilà, tout à fait. Alors, il est temps d'ouvrir la cuisine. C'est l'heure des casseroles. Alors, allons-y. S'il vous plaît. Par qui commencer? J'ai l'impression que ça va chauffer. Franchement, j'ai le sentiment, parce que là, comme il m'en a parlé tout à l'heure en loge, tu m'as dit j'ai une casserole pour toi. Non, j'en ai plusieurs. Bah, on va voir par qui on commence. Pouf, pouf. Je vais enlever ma veste. Ça sera toi, par qui on va comment? Non, 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 non. On va dans l'autre sens. On va dans l'autre sens. Ça sera toi, par qui on va comment? Eh, c'est tirage au sort, hein, Jamel. Alors, Jamel. Jusqu'à présent, il n'y avait que le blouson, mais là, on a trouvé mieux. Jamel, vous avez eu ce qu'on appelle une petite traversée du désert en 93, mais non pas traversée du désert, genre perte de vitesse, mais une vraie traversée dans le désert, un peu comme Moïse, hein, vous avez traversé le désert. Et alors, ce qui est incroyable... Tu sais de quoi il s'agit, c'est ça, que vous aviez exactement la même coupe de cheveux ouais. Qu'aujourd'hui. Un petit mélange de comment il s'appelle le type de gladiator Caius Bonus là. Russell Crowe. Marcus. Non. Russell Crowe. Maximus. Et ben là c'est Maximus mais en minimus. Jamel. Vous voyez. Alors. Très bien. C'était moi. Très bien. Vous souvenez? Fous le dehors directement quoi mais ça non, fait. Mais non, monsieur on invite Jean. Monsieur à dîner, on lui envoie des boulettes de pain. Voilà. Non, 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 voilà, non, c'est non, ça non. Depuis tout merci, à l'heure. Voilà. Mais... Merci. C'est important qu'il y ait la solidarité puisque ce sera votre tour après. C'est pas alors, ça. Jamel, vous vous souvenez de cette époque où vous riez dans le désert comme ça, à gorge déployée? Il rit beaucoup. T'es vraiment, dans le désert, tu veux que je te dise, t'es pas gentil. Moi, je l'ai vu, on n'est pas obligé de la passer, ça dépend du public. Comment résister à l'appel de ton public? Vous avez vu? Ça, c'est le blouson. Alors, voici Jamel. C'est une casserole de jeunesse, on va dire. Et il rit, mais ça fait plaisir de voir comment vous riez comme ça. Ça va, ça va. Vous voyez de quoi je parle, Jamel? C'était ma première expérience cinématographique. Ouais. J'avais jamais ri avant ça. Ouais. Vous allez le voir. Mais avant de regarder, merci d'abord et bravo. Regardez. Adieu. C'est parti pour les coups bas, là. Non. Non, 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 mais chacun d'accord. A appelé pour avoir des casseroles sur compris, les autres. Hein. Et personne ne sera épargné. Chacun alors, peut sortir du plateau. On va seul et... Oui, d'accord. C'est un court-métrage réalisé par Nabil Ayouch et c'est une séquence qu'on a tournée à la fin du court-métrage. On avait passé 20 jours dans le désert. Ouais. Et trop de soleil gerce les lèvres. Je sais pas si t'as déjà eu l'occasion ouais, de... Ouais. Tu connais la sensation du soleil sur la peau? Bien sûr. Bah, sauf que là, c'était désagréable. Et alors? Et donc, impossible de rigoler normalement. Puisque mais c'est bien, c'est bien. C'est... Lèvres gercées. C'est mignon. Donc rigolage. Vous aviez quel âge? Là, je devais avoir dans les 8-9 ans, non? Un petit peu plus, non? 10, 11 ans, maximum. D'accord. On va ouvrir une petite parenthèse dans cette émission, une parenthèse assez gaie et joyeuse. Et je voulais vous poser une question, et je m'adresse à Jean-Marie. J'ai lu que vous croyez en la réincarnation en préparant cette émission. Est-ce que vous pensez que vous avez été ou que vous serez un jour dans une autre vie une femme? C'est tout à fait possible, oui. Est-ce que... Non, parce que... Vous en parlez beaucoup dans vos différents spectacles. Non, oui, est-ce que vous imaginez en femme? Pourquoi pas. Là, sur le coup, là, tu me le demandes maintenant. Évidemment, je le sens beaucoup moins bien parce que je mais oui, mais pourquoi pas, oui. Parce que peut...
Non, mais c'est important. C'est, vous voyez avec des robes, avec tous les attributs féminins parce Je sais pas, attends, tu me demandes de me parler de ma vie de, future, que j'aurai future, ouais, après ma mort et tout. C'est vachement délicat, tu vois. Oui, bien sûr. On vous la souhaite pas, hein, loin de là. Jamel, vous avez toujours eu du mal à mettre des jupes. Il paraît qu'en préparant Astérix, vous vouliez pas sortir de votre loge quand vous étiez en jupe pour la première scène. Non, c'est vrai que j'avais un peu de mal avec la jupe, forcément, parce que j'ai pas été préparé pour ça. Ouais. Nous, c'était jean et bon. C'est Christian qui m'a convaincu que le ridicule ne tuait pas. D'accord. Quand je l'ai vu avec sa moustache, je me suis dit, c'est bon, je peux y aller. Et je sais, par contre, vous, être en femme, c'est un peu un sacerdoce. Hein. C'est un deuxième boulot. D'ailleurs, on n'a pas résisté au plaisir de compiler quelques-unes des apparitions de José en femme, parce que la femme, c'est une deuxième nature chez vous. Eh oui. Eh bien, tant mieux. Moi, j'ai deux boulots. Comment ? Moi, j'ai deux boulots. Oui, vous pouvez jouer garçon et fille. Voilà. Regardez, nous avons trouvé des extraits de l'émission NPA dans lequel vous êtes travesti en Lady Di. Et en Claudia Chiffon. Qu'est-ce que j'ai... Je ne sais pas si ça vous a fait grandir, en Qu'est-ce tout cas. Qu'est-ce que j'ai ri, moi, en tout cas. C'est des bons souvenirs, hein. Ah, vraiment. Regardez. Bonsoir. Je suis Charles et voici mon ex-future ex-épouse, Diana. Bonsoir, Boblon. J'adore le thé glacé. Oh, j'ai la gorge sèche, faudrait que je suce quelque chose de glacé. Le iced tea, je le garde dans la bouche et quand il est chaud, je l'avale. J'aimerais me faire remplir le compartiment à glaçons de glace à thé. Oh. Oui, mais laisse monsieur thé tranquille. Il est chanteur et il tient pas une buvette. Et voici ma fiancée, l'ensorcelante Claudia Chiffon. Mon petit pigeon. Pense ton gagne-pain sur la chaise et souris à la caméra. Oh, Woody. J'aimerais que tous les mannequins masculins soient comme vous. Ça nous changerait un peu des tapettes. Mon petit cochon de lait, tes paupières sont lourdes. Ah oui. Non, je n'ai pas dit lasse. Comme d'habitude, j'ai dit lourdes. Voilà, à présent, chienne. Sur la table, et fais un petit striptease pour monsieur Haraldson, qui me garde un bon souvenir de Paris. Oh non. Non mais, on va se faire interdire par le CSA, hein. Oui, bon, ça va, allez, ouais, allez, ouais, ça suffit. Oui. Assieds-toi. Réveille-la un peu. Assieds-toi, imbécile. Vous portez bien le panty, hein. Alors, on a mis des images en attendant une vraie femme, puisqu'il y a que des garçons autour de cette table. C'est pourquoi je vous demande d'arriver, d'applaudir celle qui vient d'arriver. Hein. Sandrine Kimberley parmi nous, mesdames et messieurs. Nous sommes toujours en direct sur TF1 et avec les départs en vacances, Paris est complètement bloqué. C'est pourquoi vous étiez un petit peu en retard, mais c'est bien se faire désirer. Je voulais vous dire, vous êtes toujours aussi ravissante. Merci d'être avec nous. Merci. Et ça manquait de féminité autour de cette table. Hein. Même si Jamel a mis un blouson de fille ce soir, c'est vrai que. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Non, Jamel. Si, pas du sa gueule. Hein. Non, on va pas recommencer. Je vais revenir dans 5 minutes. Non. Tiens-toi prêt. Restez là, Jamel, restez là. Est-ce que... Michel, vous les travestis, vous connaissez. Enfin, les rôles de travestis, vous connaissez. Vous avez eu l'occasion, à l'époque de la cage aux folles, d'entrer... Qui? Quoi? À l'époque de la cage aux folles. Je connais pas. Vous pouvez traduire ce que je lui ai dit. À l'époque de la cage aux folles. L'articule. Il crie, c'est pas... Alors vous aviez l'habitude de vous travestir. Oui.
J'entends pas ce qu'il raconte. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Mais fait des gestes. Non, mais parce qu'on est dans une période travestie. Est-ce que les hommes en uniforme vous plaisent, vous, Sandrine? Je passe du Coca Light. Mais ça dépend, ça peut me plaire. Ouais. Parce que ce soir, nous avons autour de la table quelqu'un qui a été l'un des personnages des Village People et qui ne le savait pas. et qui a eu l'occasion de s'habiller en policier. Hein, Christian? Moi? Oui, vous vous souvenez? On a trouvé une image magnifique où vous êtes un petit peu efféminé. Je me souviens pas du tout. Il y a Bertrand Blier. Bernard. Et Michel Serrault dans la même scène. Oh. Vous aviez déjà joué au cinéma avant maintenant. Bernard Blier. Bernard Blier, pardon, oui, excusez-moi. Oui, d'accord. Vous en souvenez? Non. Je pense aux images truquées. Qu'on s'en est souvenu pour vous. Je pense aux images truquées, moi. Alors, ça se passe dans les toilettes publiques. Hein. Nous sommes en 1975 et Christian décide d'entrer. Regardez. C'est un cadeau, hein. Oui, je vois bien. Tiens, voilà. Et alors, j'ai aussi prévu les impondérables. Pardon. C'est un bon souvenir. Oui. C'est vrai? Ah oui. Vous vous souvenez de ces images, Michel? Le film ça, s'appelait... C'est pas moi, ça. Si, c'est vous, hein. C'est et le film frère. S'appelait... C'est pas parce qu'on n'a rien frère. À dire oui, qu'il faut fermer sa gueule. C'était Gérard Serrault. C'est mon frère. C'est votre frère? Oui. Jean-Claude Serrault? Oui. Alors, on a une belle archive pour vous et c'est Pierre qui va nous la présenter. T'as de la chance, vraiment, t'as de la chance. T'as énormément de chance, t'as dû briefer tout le monde derrière pour qu'on bloque les extincteurs et qu'on bloque les couteaux suisses. Parce que je comptais revenir pour te faire une petite... Et le blouson, il est où? Ben, j'ai donné à une fille. Très bien. Pierre, vous avez trouvé une archive... Oui, c'est un document qui a 30 ans, 1973, à l'époque de la cage aux folles. Et Jean Poiret et Michel Serrault sont dans une émission de Guy Lux où ils célèbrent le 20e anniversaire de leur numéro 53... au tabou. Vous en souvenez? Absolument pas. Eh ben, on s'en est souvenu pour vous, Michel. Mais tout ça a été fabriqué quand, là, dans la semaine? Non, on les a retrouvés à l'INA. Images de synthèse. Ah, non. Non, mais il faut accepter. Ah, ben, voyons. Mais c'est très sympa. Oui, ben, allons-y, regardons. Bon, voilà, quand vous voulez. Bon, regarde. Nous avons beaucoup de public à Cadet-Roussel, mais peu de moyens. Voici le gâteau anniversaire. Alors ça, franchement... Les allumettes ont été fournies par Stone et Chardin. Ah, bon. Mais non, franchement, c'est une blague. Un beau souvenir. C'est magnifique, mais c'est pas nous. Mais si, il va falloir arrêter de dire que c'est pas vous, c'est que vous. Mais il y a combien de temps? Oh, ben bah, c'était en 73. 30 ans. Dites-moi. 30 ans. En tout cas, j'étais beau. Ah oui. En tout cas, c'est vrai que vous êtes inspiré de votre tante Lucienne pour interpréter votre rôle? De ma tante Lucienne, de mon oncle Jacques, de ma tante Lucienne, de mon frère Jules, de ma grand-mère Léonard. Je m'inspire de tout le monde. D'accord. Mais il y a des documents magnifiques où je me suis inspiré de toi. Oh, bah écoutez, lesquels? Vous verrez tout à l'heure. Ah bah c'est un honneur, en tout cas. Est-ce qu'il vous arrive, quand vous faites des interviews, même quand vous êtes au théâtre ou au cinéma, de faire des lapsus? Par exemple, une fois, Martin Lamotte nous avait dit que sur scène, dans une pièce de théâtre, le dire « passe-moi la valise », il avait dit « passe-moi la vaseline ». Et ça, ce qui avait déclenché un fou rire incroyable. Est-ce que c'est quelque chose qui vous arrive, Jean-Marie? Jamais, non. Moi, en plus, je suis souvent tout seul, donc... Il n'y a pas besoin d'être plusieurs pour faire lapsus. Oui, tout à fait. Oui. Non, pas tellement, non. Je sens que j'ai posé une bonne question, là. Ouais, c'est super. Je sens que je suis très content de ma question. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va regarder un bêtisier là-dessus, c'est plus clair. Intéressant. Comment? Depuis le début, c'est une série de débats intéressants. Non, mais... Ah, non, à chaque fois, il y a un point de vue, on saute... Donc, on finit par... Attends, t'es bien. Vous voulez dire quelque chose, Christian? Non, c'est très bien. Vous avez l'habitude de faire des lapsus? C'est-à-dire que... Il y a eu un grand prince du lapsus, hein, Pierre Repp. Pierre Repp, oui, hein. Génial. Pierre Repp qui disait, je me rends bien compte que je baillouffe, enfin que je la fouille, enfin, que je batouille militairement, je sens que j'ai la frange qui louche, j'ai un qui frouche, je peux plus artiluquer, je peux plus arlituquer. On m'a dit, il faut voir un médecin, j'en ai vu trois spéliers-ci, trois charlatans, ah ouais. Hein, des suppotisoires qui voulaient me faire mettre le dernier. Aucun rapport, hein. C'était Pierre Repp. Il le faisait très bien. Bravo, en tout cas. Ça vous est déjà arrivé? Jamais.
Je maîtrise la langue française comme personne, moi, pour d'accord. Voici. Jamais m'arriver de fourcher ou de faire une faute de français, une faute grammaticale. Mais dans Astérix, vous n'arriviez même pas à prononcer son nom de Panoramix. Désolé, pardon, je disais très bien, Amstérix. Ouais. Voici un bêtisier assez coquin qu'on a appelé des lapsus, mais un peu sexe, un peu cul, regardez. Ce parc est un des hauts lieux de la drague homosexuelle de la ville. Cette exposition a en fait pour but... Pour éviter toute vilaine trace et surtout ne pas perdre la fesse... Là. Oui, cette enquête absolument magnifique. La fesse, la face cassée des... Ce fut le cul, le coup de foudre musical. Les infirmières qui mouraient beaucoup dans les hôpitaux. Néanmoins... Le premier pénis nous a promis que pour jeudi... Nous avons aussi décidé de baisser l'impôt sur les sociétés, excusez-moi... Il n'est point besoin d'être long devant vous pour parler de Georges Moustaki. Bonjour Moustaki, pardon. Excusez-moi. Dès lors, il va placer notre pays dans des courants beaucoup plus continentaux, donc beaucoup plus sexe, ce qui est bien pour nous. Et puis ce soir, en Coupe de l'UEFA, le Football Club de Nantes se rend à Sion, excusez-moi. Nous dirons bonne fête au Zizidor, et puis dans un instant sur la PSR. Vous avez un numéro de téléphone, 3615 God FR3. God FR2. Tout peut arriver en direct, soyez les bienvenus sur TF1 pour les enfants de la télé spéciale bêtisier. Georges Moustaki, c'est assez grand. Surtout hein. Dans la bouche d'un homme politique. Ouais. Alors, quelle est la chose la plus extrême qu'on vous ait demandé de faire pour un tournage? Par exemple, j'ai lu que vous aviez dû perdre 10 kilos pour jouer dans Napoléon, c'est vrai? Oui, 15, oui. Ouais. Jusqu'où... Ou 12, enfin, je sais plus. Jusqu'où 8, vous seriez... Enfin, beaucoup. Hein. Important. Enfin. Jusqu'où vous seriez prêt à aller pour jouer dans un film, Jamel? Jusqu'au bout. Jusqu'au bout de quoi? Jusqu'au bout de ce que demande le réalisateur. J'ai rien à foutre, je suis un déglingo, moi. Sandrine? Oui. Vous seriez prête à tout dans... prête la double à tout. Pénétration. Oh non, mais non, Jean-Marie. Il n'y a qu'une fille. Il faut qu'on la garde un peu. Je m'attends à tout. Je suis blindée. Quoique vous ne croyez pas si bien dire concernant José qui est prêt à tout au cinéma, puisque l'on a retrouvé un extrait d'un film de Bernie Bonvoisin. Où là, vous n'avez pas lésiné dans les accessoires. Vous vous souvenez de Blanche? Ah, je m'en souviens encore, oui. On a voulu montrer des images où là, vous allez au fond, de, si je puis me permettre, de votre rôle. Hein. Ouais, c'est ça, avec la bougie allumée, c'est ça? Oui, vous pouvez expliquer de quoi il s'agit? Oh, rien, une passade, comme ça, une envie de plaire. Non, je joue le rôle de Louis XIV, qui fait Louis XIII... C'est un dépravé, quoi. C'est un vrai dépravé. Mais vous allez voir, je préfère me taire. Parce que à la veille de Noël, les enfants, faites attention, ne faites surtout pas ça avec la bougie. Hein. Voici Blanche, un film de Bernie Bonvoisin, avec José Garcia en roi, plutôt en reine, hein, j'ai envie de dire. Hein. Non, en roi, j'insiste. Oui, enfin en reine. Hein. Regardez. En roi, j'insiste. Laissez-le, il veut. Approche, Lufia. C'est Majesté en sonnet. Approche. Tu es prêt. Oh, t'as vraiment une haleine de poney. Hein. Ouh. Attends. Oula. Ah. Comment osez-vous entrer chez le roi? Bougez. Le pouvoir ne s'exerce pas en se caressant le corps sur un lit recouvert de peau de panthère, entouré de trois morues. Comment osez-vous entrer chez le roi? Je n'ai rien à Poirot. Votre Majesté est conduit l'aigle que je suis afin de se vautrer dans la boniche, comme votre père. C'est pour moi. Vous n'êtes pas taillé téméraire. Je viens à vous afin que vous connaissiez le fort et le fin. Baldrague, cher comte. J'ai été sa fortune, je te ferai dire. Oh, comment osez-vous? Non, pas de bougie, non. Il y a une autre version où la bougie est restée allumée. C'est pas vrai? Ouais, pendant toute la scène, et je me suis assis dessus. Et la bougie était allumée? Et la bougie est allumée. Noël, joyeux Noël. On va rester dans notre série. Les hommes sont tous des femmes, avec parmi nous ce Jean-Marie Bigard qui a toujours aimé chanter. Hein? Oui, c'est vrai. J'ai toujours aimé ça. J'y suis arrivé, d'ailleurs. J'ai fait un album qu'on a vendu à 17 exemplaires. parce que ma sœur en a pris 5. On a retrouvé des très belles images où vous chantez...
Vous avez une coupe de cheveux à mi-chemin entre les Playmobil et Daniel Gilbert. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je suis. Ça date de 85 et vous chantiez au théâtre de Bouvard, regardez. Oh là là. On est dans la coiffure, il y a des gens qui murmurent qu'on serait de drôles d'oiseaux, qu'on ferait même du tricot. Comme on fait du vélo, le dimanche il fait beau. Les gens, c'est pas banal, disent qu'on est de la pédale. Vivement ce soir, 8h moins le quart, qu'on regarde le théâtre de Bouvard. L'invité ce soir, c'est Chazon. Chazon. Et ça, c'est plus drôle que le bébé de show. Pas mal. J'étais parti très au-dessus. On a ramé pendant deux, trois. À la fin, je redescends. C'est un bon souvenir. Quelle horreur. Mais oui, bah, est-ce, oui. Que, est-ce que, on va parler de chansons, est-ce que vous n'avez pas été déçu? Moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'aucune chaîne de télé n'ait rendu hommage à Barry White après sa mort. Je sais que, Jamel, vous êtes un grand fan de Barry White. Vous, vous connaissez tous Barry White. Oui. Michel, vous connaissez Barry White? Oui, ben, évidemment. Moi, je lui ai rendu hommage dans mon salon, dans ma chambre, dans ma cuisine. J'étais très affecté par la mort de Barry White, parce que j'aime beaucoup ce chanteur, d'autant plus qu'il m'a appelé juste après le passage qu'on a fait ensemble sur Nulle part ailleurs, ouais. pour me proposer de faire sa première partie au Palais des Congrès. Il m'a rappelé 6 mois après pour me dire qu'il était malade et qu'il ne viendrait pas. Et j'ai trouvé ça super touchant de la part d'un mec aussi charismatique et connu que ce mec, en fait. Ouais, star planétaire. Voilà, ouais. Vous connaissez Barry White. Jamel a comme dit... j'étais en train de finir une phrase, à un moment, je sais pas si tu te rappelles. Tu sais, j'avais commencé une phrase, après t'es parti par là-bas pour voir si j'étais là. Bon, d'accord. Alors... Non, juste pour finir, ouais, c'est bizarre et c'est dommage. Vous vous souvenez de la première chose que vous vouliez dire à la fin? On a pas bien compris la fin, mais vous vous souvenez de la première chose que vous vouliez dire? Je t'aime. Non? J'ai dit à Barry, je t'aime. Et après? Et il m'a dit « me too ». J'ai dit « oh ». Il se joke. Vous l'avez dit, si vous saviez, Barry, à quel point j'ai attrapé des meufs sur vos chansons. Ouais, non, mais j'étais... Oui, j'ai dit, je me souviens plus exactement du Mais vous texte. Avez dit la vérité. Vous avez dit ce que des millions de garçons pensent. C'est pour ça qu'on n'a pas résisté au plaisir de rendre hommage à notre manière à Barry White. En vous retrouvant, puis vous avez l'honneur de chanter en duo avec Barry White. Merci infiniment. Dieu merci, il chante bien, lui. Hein. Regardez. Mesdames, Messieurs, Jamel, bonjour ouais. Jamel. Ça va? Mr. Barry White, I want to do singing of the youth and the beautiful in the state of the world. Okay. Je suis pas sûr qu'il ait super bien compris. Okay, one moment. I want to state of the youth of the over other people, the people that say, let the music play. And they say no. And they say, but. And you're singing because you are the best of the world in the music in the South. Mais oui, tu pourrais la faire en français, oui. Jamel, ce serait plus efficace. Pas parce que toi, tu comprends pas l'anglais, que tout le monde ne comprend pas l'anglais. Alors, okay, je vais le faire en français. Monsieur Barry Blanc, comment vous dire De toute façon, il va traduire. Vous êtes... de vous voir comme ça, c'est la vérité, hein, je suis super ému. De vous voir comme ça, en chair et en os devant moi, c'est plus en chair qu'en os. D'ailleurs, ça me fait super plaisir sur la tête de mer. Ça me fait, comment vous dire, je suis comme un fou. Qu'est-ce que j'ai pu niquer grâce à vos chansons? Ah, excusez-moi. Ouais, c'est bon, alors. Attends. Laetitia Casta, ouais. Jennifer Lopez, oui. Annie Cordy, Madame Balladur. Elles sont toutes passées, ma folle. Lance la sauce. Souvenir. Ça restera là et là à vous. Hein. C'est émouvant.
Ça me fait encore quelque chose de voir ces images. C'est vrai? Ah, vraiment. Quelle est votre chanson préférée de Barry White? Let the music play. Ça donne quoi? Let the music play. On va vous laisser, hein. I don't wanna see when I'm on a day. Après, je connais plus les paroles. Alors, Jamel. On ne vous a pas vu sur scène depuis 3 ans, mais ça y est, vous êtes de retour avec votre one-man show, Jamel, 100% de bouse. Alors, je sais que c'est pas facile de raconter un one-man show, mais alors, vous êtes de retour, quoi. Vous êtes de retour, vous avez décidé de raconter votre vie d'aujourd'hui. Votre... J'ai décidé de raconter ma vie pendant 30 piges, pendant 30 ans. J'ai commencé il y a 3 ans et je continue, là, en fait. C'est aussi simple que ça, il m'est arrivé des choses incroyables. J'ai fait un morceau avec Snoop, j'ai tourné dans Astérix... Je viens de tourner à New York avec Spike Lee où j'ai fait un Américain ouais. qui court comme ça dans les rues de New York. Et non mais c'est ouais c'est normalement moi je suis tourneur chômeur à la base. J'étais voué à courir derrière les intérims. Là aujourd'hui, alhamdoulilah, je me retrouve dans des situations incroyables. Donc c'est ce que j'avais envie de raconter sur scène. J'ai voté Chirac aussi. Et ben, c'est pas tant d'avoir voté Chirac qui m'a saoulé, hein. c'est surtout d'avoir été à l'école un dimanche pour voter, c'est ça qui était relou. Mais tout ça pour... C'est la continuité du premier spectacle et j'espère faire ça toute ma vie, en fait. Mais c'est sur scène où vous prenez le plus de plaisir? C'est là où je me mets le plus en danger, en tout cas, et c'est là où c'est le plus... Ouais. Alors, c'est le grand retour de Jamel sur scène. Alors, notez bien les dates. Vous démarrez le 23 décembre, mais c'est la semaine prochaine. C'est pas trop le trac, hein, pour quelqu'un qui démarre la semaine prochaine. Non, mais c'est un kiff. J'y vais vraiment... Je vais en colonie, là. Tout est prêt, ça y est Ouais, d'accord. Le 23 décembre, au Casino de Paris. Jusqu'au 11 janvier. Après, vous serez au Bataclan du 13 au 18 janvier. Et enfin, à l'Olympia du 20 au 25 janvier 2004. Pourquoi 3 salles Ben Jean-Marie te le dira, Christian aussi, tous les gens qui ont fait de la scène, toutes les salles sont chargées d'atmosphères différentes. Moi, je sais qu'à la Cigale, j'ai pris un vrai kiff parce que c'est une bonbonnière. Tu peux toucher les gens, leur tirer les cheveux au premier rang. Chaque salle est chargée différemment. À l'Olympia, t'as l'impression qu'il y a Mick Jagger aux toilettes, que Gainsbourg dans les couloirs, c'est n'importe quoi. J'aime beaucoup changer de salle, t'as l'impression de changer de ville, pratiquement. Ben, on viendra vous voir, j'imagine que t'as une grosse tournée. Ouais. On m'a dit plus de 120 dates. Je suis pas au courant. je veux pas savoir toutes ces choses. Vous êtes pas prêt de partir en vacances, hein, Jamel? Non, mais, ouais, mais c'est un vrai kiff. Mais je suis en vacances à partir du 23 décembre. Ah, très bien. C'est un vrai kiff, quoi. J'y vais avec un vrai plaisir. J'espère que vous viendrez nombreux et nombreuses. C'est promis, le spectacle s'appelle 100% de bouse. Juste une petite chose. On ira voir. Est-ce que vous avez des devises, des dictons dans votre vie? Est-ce que vous avez des proverbes qui vous accompagnent? Jean-Marie? Moi, fluide et joyeux, tout le temps. Moi, je vais arriver tout de suite. Vas-y. Mais qu'est-ce qu'il fait, Jamel, depuis tout à l'heure? Il fait des allers-retours. Christian? Je vais trouver un nouveau costume, veut, connard. De Guilmer, c'est un proverbe de Guilmer. Qui veut peut... C'est Michel? Faux, mais... Ce qu'on fait bien, ça vous échappe. Comment? Ça nous échappe, ce qu'on fait bien les uns les autres. Ah, d'accord. Voilà, je sais, vous, que votre dicton, c'est « trop bon, trop con », c'est votre devise. Vous avez vu ça? C'est-à-dire? Trop bon, trop con, ça parle tout seul, je trouve. Non? C'est trop bon, un peu trop con, quoi. Faut pas être trop non plus blaireau, quoi. D'accord. Et vous, ma grand-mère, elle en avait un beau, elle disait « comme un lion au bistrot, comme un con au boulot ». D'accord. Et vous... J'ai trop picolé la veille, je me souviens de ce dicton. José? Moi, sois gentil avec les gens en montant les escaliers, tu risques de les retrouver en descendant. Oh là, c'est une belle leçon d'humilité, ça. Ouais, mais quand on les retrouve... Magic? Je me dépêche de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. C'est de bon marché. Oh, c'est beau, hein. Et on va continuer avec des proverbes de Joseph Anjou. Joseph Anjou est un journaliste sur e-Afrique, une chaîne de télévision. Et à la fin de son JT, il finit... Qu'est-ce qu'il fait, Jamel? Il finit toujours... Jamel, on est en train de... Non, mais c'est Noël. Comment ça, bon, c'est Noël? Je vais t'apprendre à vanner ma veste. Non, mais attends. Tu mets ça juste là. Non, mais attends, non, c'est Noël. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, j'en ai partout maintenant. Je disais, Joseph Anjou termine toujours ses JT par un proverbe africain. Ça donne des phrases très rigolotes, on les a compilées dans cette émission spéciale BTV. J'en ai partout. Là, il est ridicule, là, ou pas? Oui. Regardez. C'était e-Afrique et comme on dit au Zimbabwe, l'éléphant ne peut courir et se gratter les fesses en même temps. Et comme on dit au Mali, rire de l'anus de son voisin n'est pas un crime.
mais convier toute sa famille à le faire est inadmissible. C'était e-Afrique et comme on dit en Côte d'Ivoire, qui avale une noix de coco fait confiance à son anus. Merci. C'était e-Afrique et comme on dit au Niger, le putois ne sent pas l'odeur de ses aisselles. Et comme on dit en Zambie, attends d'avoir traversé la rivière avant de dire que le crocodile a une sale gueule. C'était e-Afrique et comme on dit au Burkina Faso, on ne marche pas deux fois sur la testicule d'un aveugle. Et comme on dit au Gabon, quelle que soit la maigreur d'un éléphant, ses couilles remplissent une marmite. Merci. C'est magnifique, hein. Alors, il s'appelle Joseph Anjou et il passe sur e-Télévision. Il a édité un petit fascicule avec toutes ses... Oui, tout à fait, il a sorti un livre avec toutes ses phrases. Et qui donc, qui avale une noix de coco doit faire confiance à son anus. Le CSA, qu'est-ce qu'il dit? Rien, mais ce sont des vrais proverbes. Hein. Il les a. Il y a une chose importante, c'est l'accent aussi. Hein. Ouais. Par exemple, en te faisant dire une... Mais je ne l'ai pas retenu, mais oui, ça sonne plus difficile. Oui. Et tu verras, sans accent, c'est moins bien. C'est moins bien. Alors, je vous demande d'accueillir notre chirurgien de l'image, Nicolas Deuil, qui est avec nous. Alors, ce soir, Nicolas. Ben justement, j'ai envie qu'on revienne sur Joseph Anjou, parce que pour les habitués des enfants de la télé, vous vous souvenez sûrement de ce monsieur moustachu qui passait un petit peu partout, sur tous les plateaux de télé. Oui, tout à fait. Et bien en fait, Joseph Anjou, il a suivi le même parcours. Vous allez voir, c'est hallucinant. On va jouer tous ensemble. Il faut expliquer à nos téléspectateurs qu'avant d'être journaliste sur e-télévision, il a fait le pied de grue partout, ouais, dans les émissions en direct. Il a essayé de se faire connaître et ben ça a marché, parce qu'aujourd'hui, il travaille sur e-télévision. On regarde, regardez bien, ça commence avec les allées de Roland-Garros. Il était là, derrière Pascal Sanchez. Alors, on le reconnaît facilement parce qu'il a toujours la même veste, bleu électrique. Là, sur le JT de France 2, c'est toujours lui, juste derrière. Avec le blouson en cuir, oui. Avec le blouson en cuir. Là, c'est chez Marie-Ange Nardi dans Qui est qui. Regardez bien, il est toujours là et puis il participe en plus. Il est vachement gay, il est toujours là pour faire la fête. C'est toujours lui, hein. Retenez ça, la veste bleue électrique, comme quoi ça paye. Le Hit Machine avec Charlie et Lulu, et qui était là, regardez en haut, très très souple, hein. Regardez bien. C'était lui, au millionnaire, il n'avait pas gagné, c'était pas sa famille. Pourtant, il est venu fêter la victoire. Il a un bon fond, ce Joseph. Il est venu participer. Alors, émission plus sérieuse, enjeux internationaux sur TV5. Il est là encore. Ils se font un peu au décor, mais c'est bien lui. Apostrophe. Qui était là derrière, un peu dans la pénombre. Et alors, la cerise sur le gâteau, deuxième dimanche de Pâques à la messe. Vous allez me dire, non, il n'est pas là. Si, la veste bleue. Eh bien, regardez la veste bleue. Et attendez. Regardez, le petit sourire à la caméra. Là, juste là. C'est magique. Et c'est encore Joseph. Eh bien, écoutez. Le culot, ça paye. Il est désormais à la télévision. Et il a son magazine qui s'appelle donc e-Afrique. C'est la persévérance. Comme quoi. C'était juste pour... parce que je crois qu'avant, il y a la pub, là, tout à l'heure. Dans un instant, il y a les pubs, oui. Donc c'était juste pour annoncer que j'allais être après. D'accord. Donc, juste pour dire à tous ces gens de partir éventuellement. D'accord. Juste, on va préciser qu'en jouant avec nous ce soir... On est en direct, oui. En jouant avec nous ce soir, vous allez pouvoir gagner à l'ensemble téléviseur 16/9e grand écran et lecteur DVD offert par le magazine TéléZ. Dans un instant, Élie Semoun, Sabine Seri, Ariel Dombal et plein d'autres surprises pour les enfants de la télé spéciale Bêtisia, tout de suite. It's the eye of a tiger, it's the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night as he watches us the fall in the eye of the tiger. Bonsoir, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre en direct dans cette deuxième partie des enfants de la télé spéciale Bêtisier. Merci, en compagnie d'invités extrêmement joyeux et très enfants.
forme, ça nous fait plaisir de vous recevoir et on va attaquer directement cette deuxième partie des Enfants de la télé consacrée au bêtisier avec un bêtisier de chute en deux roues. Pour ceux qui font de la moto, du scooter ou du vélo, regardez, c'est spectaculaire, c'est très drôle. But I better find him for the rest of tonight's show. Stay right where you are, we'll be back. In the center of Amsterdam, no cars allowed. The only way to travel, by bike. And then he got disqualified on one side. Oh, the crater! Oh! This is just the thing we do not like. Je sais que Christian, vous êtes friand de ce genre de bêtises, c'est vrai, parce qu'on a mal pour eux, notamment le dernier. Il arrive, il fait super, et puis il se ramasse. C'est sadique de rire de ça. C'est le truc du théâtre, c'est ce qu'a dit très joliment Michel tout à l'heure, hein, quand on fait un truc, c'est souvent sans le vouloir qu'on fait un truc bien. Mais là, le changement d'attitude, il est authentique. Alors, nous étions avec Nicolas Deuil, Nicolas qui dissèque la télévision. Hein. Je dissèque ? Le chirurgien de l'image. Alors, et on continue avec l'émission Sans aucun doute. Sans aucun doute, c'est Julien Courbet sur cette même chaîne et qui recevait ce soir-là Rémi Bricat, l'homme orchestre, vous le connaissez tous. Et là, trop d'instruments, ça tue un peu la visibilité. Il avait du mal à voir sur les côtés. Je voudrais juste préciser qu'il n'y a eu aucun animal, c'est quand il y en a plusieurs. Bien sûr. Animal mort, oui, oh, ça va. Durant cette séquence. Regardons. Regarde. Donc Rémi Bricat, bien sûr. Et là, la colombe. Et attention. Oh, je dis rien. Je ne dis rien du tout. Ça fait mal. Oh non, ah. L'animal a survécu. Hein. Qu'est-ce qui devient Rémi Bricat ? À une époque, il avait traversé l'Atlantique avec des bouées, je sais plus. Des quinzaines commerciales à Castorama, je crois. D'accord. Ou à Bricorama. Autre chose ? Oui, l'émission Big Brother, qui est un concept de télé-réalité qui a fait le tour du monde. Je vais vous montrer deux, trois images de... Ça se passe en Norvège. D'accord. Et c'est un jeune homme qui se lève le matin et qui a la réputation de se lever, mais alors de très, très mauvais poils. Vraiment, tous les matins, là, il se lève, il a un verre de lait. Et ses copains lui ont fait une bonne blague, puisqu'ils habitent tous ensemble. Ils lui ont scotché ses chaussures, ses petites claquettes. D'accord. Le Norvégien est taquin. Vous allez voir ça. Voilà, il se lève. Pas de bonne humeur, hein, mais du tout. Ça, c'est violent. Ça, c'est et violent. Au ralenti, c'est pas mal non plus. Et c'est une bonne blague à faire. Oui, c'est une bonne blague à faire. Non mais c'est drôle mais c'est violent. Hein, ben. Non, le faites pas. C'est un peu dangereux. Est-ce que plus jeune vous étiez potache, Christian? Taquin, oui. Ouais. Potache, je sais pas. Du genre à remplir des sacs d'eau et les jeter par le balcon? Non, oui. Les boules puantes? Non, oui, oui, non. Moitié, moitié. Ouais. qui étant jeune a fait ce genre de bêtises? Moi encore, il y a un quart d'heure. Hein, non, mais c'est vrai, on est toujours dans la. Dès qu'il y a moyen de faire une blague ou. Dès qu'il y a une opportunité, bah, on la saisit. Dès qu'il y a moyen de pousser quelqu'un dans un précipice, on va dire, on dit quoi. Enfin, ou dans un escalier. C'est de rire. Michel, personne âgée ou quelqu'un comme ça, vous en pensez. Mais ça peut se passer dans les mots surtout aussi. Il y a des cascades. Mais improviser en scène. Pour surprendre le copain, je crois que c'est quand même pas mal. Il peut y avoir des fous rires. Hein. À l'époque de Poiret, vous aviez le souvenir d'improviser, d'amener vos partenaires dans une autre direction. Non, mais il y a des accidents formidables. J'ai perdu une chaussure dans la cage aux folles. Ça a duré 20 minutes. Elle est partie dans la salle. Personne ne voulait la rendre. J'ai dit, j'arrête. Hein. Si je ne retrouve pas mes talons, j'arrête tout. Maintenant, ça suffit. Ça se baladait dans le théâtre, ça a duré 20 minutes comme ça. Ah non, alors ça c'est formidable, c'est les accidents. Alors, merci Nicolas. Vous en prie.
Et alors, la question, je vous la pose. En tant que comédien, le Festival de Cannes, c'est un peu un rendez-vous incontournable. C'est la consécration quand on monte les marches de Cannes, Sandrine, c'est la première fois. Oh, la première fois, oui, c'est impressionnant. On a tous connu Cannes, et c'est le mythe un peu. C'est vrai. Il y a les photographes, il y a fameux tapis rouge, la foule qui crie. Ça vous a plu la première fois, Javel ? Ah, moi, la première fois, c'était rigolo. J'ai demandé à tous mes copains de se mettre devant leur écran et je montais les marches tout doucement comme ça. Tout pas naturel, du coup, je faisais. Je les ai montés aussi avec le film de Claude Lelouch. C'était sympa parce que tous les journalistes donc, du monde entier, il y avait beaucoup d'Américains parce qu'il y avait Jeremy Irons qui était là. Et donc on monte comme ça, bien alignés. Et j'avais tous les journalistes qui étaient devant moi qui faisaient « Mais casse pas, putain, pousse-toi, bordel !» Je suis monté à quatre pattes pour qu'ils puissent photographier Jeremy parce que moi, ils savaient pas du tout qui j'étais. J'étais un branleur qui était devant l'objectif et qui gênait, tu vois. Mais j'ai monté à quatre pattes. Alors, José, vous, à l'époque de Nulle part ailleurs, le Festival de Cannes, c'était la grande sortie, c'était la récréation. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pu faire comme délire? On a retrouvé des images très drôles où d'ailleurs l'invité est Christian Clavier. Oui, je me souviens très bien. Et vous étiez en petite fille. À la chantilly. J'avais la chance de monter les marches, sinon ils y prenaient. J'avais deux bombes à chantilly sur le truc. Il m'a écrasé une glace. J'ai pris le truc et je me suis dit, là, je peux me les faire si je veux. J'ai le temps nécessaire pour le faire. Et je les ai vus, ils étaient prêts à monter les marches et je me suis calmé dans le truc. Mais sinon, ils étaient. Mais c'était. C'était un beau souvenir. Regardez des images de vos meilleurs sketchs avec Antoine Decaune. C'est culte et c'est à Cannes. Qui c'est? C'est Bourville? Non. Mais c'est pas Bourville, il est Bourville, il est blanc, Bourville! Ce n'est pas Bourville! Ça va, Bourville! Écoutez, alors maintenant vous allez. Alors maintenant il faut l'emmener, on va lui donner ses cachets, puis voilà. Voilà, là, petite peste! Ah non! Jean-Pierre Foucault, voilà, merci. Oui, c'est ça, oui. Majesté, pardonnez-lui, elle ne sait pas ce qu'elle dit, bien sûr. Je vous en prie. Merci, là, c'est mal parti. Viens la petite chérie, voilà, il y va. Voilà, de la part de moi. Merci de nous réserver cet accueil. Bonsoir. Je suis Brigitte Nielsen. Et voici mon nouveau mari, Robert De Niro. Excuse me, but I fuck the splendid. I fuck Juno, I fuck Clermont, and I fuck Clavier. You said? Fuck Clavier twice. I fuck that Christian Clavier, non? Twice. Il dit qu'il a beaucoup d'admiration pour les comédiens, il la trouve de splendide. And I fuck Balasco. No, sorry, no. No Balasco. But I fuck you, Mr. White, because you fuck my wife. Dans le premier coup, il m'a envoyé. Christian m'a envoyé une glace qui restait collée dans le truc. Ouais. C'est horrible. Ça gèle, ça m'a gelé l'œil pendant une heure. Et je pouvais pas m'en débarrasser. Ce qui est formidable, c'est pour ça que vous retenez, vous dites j'y vais ou j'y vais pas parce que je dois monter les marches. Mais est-ce que je fous mon costume en l'air? Si ça dégénère, là, c'est terminé. Ouais, tu rentres à l'hôtel. Alors, c'est une de vos grandes imitations, Al Pacino. Hein. Al Pacino, c'est De Niro. Oui, De Niro. C'est pas grave. Nous sommes en direct. Ouais, vous savez évidemment. Que Sandrine imite très bien, j'ai appris que vous imitez très bien Jane Birkin. Oui. Vous pourriez pas nous voir un. Non, elle a déjà fait l'audio. Elle a déjà fait où? Oui, hein, dans une émission concurrente. Ah bon, d'accord. Bon, alors si, nous ne voulons pas la même chose que les autres ce soir. C'est pour ça. Dans la première intervention qu'on a vue à Cannes, vous disiez oui, Jean-Claude Van Damme, nous sommes fans de Jean-Claude Van Damme. Et régulièrement, dans les enfants de la télé, on se régale de petits moments choisis de Jean-Claude Van Damme. Vous suivez ces interviews, ces passages? La première page que j'avais lue dans un magazine, je l'ai découpée, je l'ai gardée. C'est vrai? Je l'ai encadrée. Qu'est-ce qui vous plaît? C'est cette philosophie? Oui, cette répartie, cette philosophie en général. José, vous êtes un grand fan surtout. Aussi. Vous êtes un grand fan. Ah, j'adore. Jean-Claude Van Damme, j'en mangerai au petit déjeuner. Non, non. Ah, ouais. D'accord, Jamel? On se délègue. Je préfère dans Blue Sport. Dans?
Pas Bloodsport. Bah, tu vois, moi, je suis un vrai fan de Jean-Claude Van Damme. C'est un film ? C'est un de ses premiers films, Bloodsport. Ah, d'accord. Très bien. Donc, revois tes fiches. D'accord. Michel Serrault, vous connaissez Jean-Claude Van Damme ? Oui. Oui. Alors, Jean-Claude Van Damme. Oui, l'acteur belge. Oui, très bien, oui. Vous le connaissez. Et ben, quand il fait des interviews, il nous régale. Michel, tu déchires. Big up pour Michel. Alors, pour notre plus grand plaisir, voici un best-of des meilleures réflexions de Jean-Claude Van Damme. Qui sont très poétiques. Mais attention. Qui sont très poétiques. Exactement. Hein, et qui non sont seulement... parfois lourdes de sens. Ouais. Exactement. Et là, on s'est attaché aux mathématiques. Nous nous sommes attachés aux mathématiques, car les chiffres ont une importance. Ouais. Regardez un florilège de maths et de chiffres. Mais moi, tu sais, comme j'ai dit, j'ai toujours, je suis de religion catholique. Moi, tout ce qui est le serpent avec Adam et Ève et la pomme, j'y crois plus. Je suis trop malin pour ça. Parce qu'un serpent est gentil. Et une pomme, c'est bon. Dans notre famille, les gens vont parler avec des yeux, avec des ondes. Pris pas pour un fou, il y a des gens, les baleines le font. Les baleines le font et les dauphins le font aussi. C'est des animaux très intelligents dans la mer. Attention, Bruce Lee est un très bon karatéka, hein. Je ne vais pas le descendre, c'est mon héros. J'ai beaucoup d'héros, hein, des gens du terrain. Ils sont tous mes héros. 1 plus 1 égale 2. Non. 1. On parle une. Pour un, on est ensemble. Mais dans notre monde à nous, 1 plus 1 égale 2. 2 ouais. Plus 2 égale 4, comme ça on devient selfish, on prend du pognon et on partage pas. Mais si 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11, et ça c'est beau, ou 13. 1 plus 3, 4, tu peux le diviser, tu peux pas le diviser, tu peux le multiplier. Oui, tu peux le diviser, bien sûr. Tu peux le diviser 6,5, hein. C'est correct. Le 7, chiffre 7, est un chiffre qui est très... Je sais pas, je pense au 7, il est toujours... C'est un chiffre qui me... 7 étages, le 7 level, le 7. Le 7 nains. Il y avait 7 nains dans Blanche-Neige? Il y avait 7 nains? Nous sommes fans de Jean-Claude Van Damme. C'est magnifique. C'est bizarre. En voyant ces images, il me rappelle mon prof de maths, en fait, qui a été un prof intérim en ZEP et qui venait nous donner des cours de maths. 1 fois 1, 9. 9 fois 2, 16. 16 fois 4, vous vous démerdez. Et je te jure, ça me rappelle un peu ses cours de maths. Il est fou, en fait, Jean-Claude Van Damme. Non, c'est un poète moderne, on va dire. Quand il dit 1 plus 1 égale 1, il parle de l'harmonie. Arrêtez, poète moderne. Il est juste un peu fou, c'est pas grave. Ouais. C'est gentil, ça fait plaisir. D'accord. Jean-Claude, si tu nous écoutes, t'es fou. D'accord, mais faites attention parce que si vous le croisez, il va vous mettre un mawashi. Non, non, t'inquiète, il y a mon frère Karim, mon frère Momo, il y a ma petite sœur Nawel, on le prend quand il veut. D'accord. Justement, vous avez parlé de l'époque où vous étiez à l'école, vous étiez comment ado? Quel genre de look vous aviez, Jean-Marie? Bah, t'as vu, hein, j'avais un peu les grands cheveux quand c'était l'époque des grands cheveux. Là, vous étiez pas trop ado, là? Il y a des... Hein? Jeune, tout jeune, je parle. Ben, déjà, c'était jeune, tout jeune, moi, vers 14-15 ans, on avait un peu les cheveux longs et tout. Vous aviez un style, vous aviez des fans à l'époque? Non, mais c'était les premiers flirts, donc on essayait de flirter dans la cour d'école, par exemple, c'était la punition suprême, c'était perpétuité à l'époque. Christian, vous vous souvenez de votre période ado? Oui. Vous êtes éclaté avec l'équipe du Splendide à l'école? Mais oui. Vous aviez quel look? Ah ben ça, on avait un look. Hein, Moi, j'avais le look acné, moi, certain, je me souviens, par contre. Ah, vous aviez le look acné, oui. Ah oui, d'accord. Et vous? Défiguré par le... Non, on avait un bon look, hein, on était bien. Non, mais j'ai pas de casserole, c'est une question comme ça, hein, vous envoyez tout le monde te dit qu'est-ce qu'il a pu sortir. On est méfiant, du moins, on ne se livre pas facilement maintenant. Non, 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 pas du tout, alors je vous promets qu'il n'y a pas de casserole. Sandrine? Oui. Vous étiez comme moi, adolescente? Je crains le pire. Ça va être moi, je crois. Ah, ça va être moi la casserole. Non, non, non. Non, mais il y a de quoi faire sur moi, adolescente. Donc, à mon avis, vous avez... Vous vous souvenez de votre look ado? Comment ne pas m'en souvenir? Cheveux longs, cheveux courts? Cheveux très courts. Ouais. Appareil à bagues. Ouais. Très maigre, enfin très mince, comme ouais. ça. Pas au mieux. Vous aviez des petits copains? Et j'avais quand même des petits copains. Et à l'époque, déjà, vous vouliez faire du cinéma? Ouais. Vous vous imaginiez déjà en train de monter les marches de Cannes? Ah oui, d'accord, je vois. On a trouvé un magnifique document, vous verrez avec votre sœur, hein, c'est elle qui nous a donné les images. J'aime bien dénoncer. C'est très mignon. Regardez, c'est très attendrissant. Et déjà,
vous voyez, comme disait Aznavour, en haut de l'affiche. Bonjour. Aujourd'hui, dans l'émission Tous à l'écoute, nous avons l'honneur et la joie de recevoir la grande actrice Sandrine Kiberlin. Vous me recevoir dans votre émission superbe que je regarde tous les soirs, oui. Est-ce que vous serez ici pour les Césars? Oui, je serai ici. Oui. Je participerai avec Miu Miu aux sélections du César pour la meilleure actrice de cette année. C'est mignon. C'est mignon. Vous avez vu qu'on a été élégant. On a passé les images et on ne voit pas trop l'appareil dentaire. Oui, quand je me mets à danser comme Dalida, parce qu'il y a un passage très chaud après. Oui, on l'a. Hein. Ah bon ce soir, c'est l'émission spéciale BTC. On va continuer donc avec une compilation de problèmes techniques, car ça arrive. Et croyez-moi, ce soir, on croise les doigts pour que nous ne vivions jamais ce que vous allez voir maintenant. Regardez, c'est un bêtisier d'incident technique. C'est là encore une fois Stéphane Caron en brillé, mais tout simplement par son absence, alors qu'un incident vient de se produire sur le plateau. Alors on savait jusqu'ici ce qu'il fallait faire pour passer la neige, des pneus à clous, mais... Ah voilà, les pneus à clous et puis un incendie dans les studios. Rien de tel avec le moteur. Dans l'ex-Yougoslavie, les rayons inchangés depuis hier. C'est aussi les risques de la guerre dans nos studios. Ces images, je vous invite à les regarder immédiatement, car elles sont vraiment très belles, très étonnantes et très émouvantes. C'est la première fois que l'on reçoit ce type d'image. Alors regardez-les. Allô? Oui. OK. Eh bien, non. Le rohypnol est utilisé par les toxicomanes comme drogue de substitution, mais dans certaines soirées, il a parfois été utilisé pour faciliter les abus sexuels. Hubert Mestré. Voilà le sujet d'Hubert Mestré. Eh bien voilà, nous découvrirons ce sujet dans quelques instants. Le résumé de ces deux matchs et de ces 8 buts par Yann Lavoie. Le match avait lieu à Berlin, mais les militaires russes étaient présents, bien plus couverts d'ailleurs que les ultra-marseillais, euphoriques en début de partie. Pour nous avons un petit problème de cassette. Bonjour à tous, l'invité de Signé Dimanche est Philippe Moureau, bourgmestre de Molenbeek et chef de file des socialistes bruxellois. Bonjour. Bonjour monsieur. À bientôt 10 ans. C'est magnifique, les martiens à la fin. Voilà ce qui peut arriver lorsque les émissions télé sont en direct. Et Michel, on est vert, mais en ce moment, on l'a pas fait encore. Michel, vous, on n'a pas résisté au plaisir de faire une compilation de vos passages à la télévision, parce que c'est vrai que vous jouez beaucoup du direct et vous êtes un peu perturbateur. Et Pierre va nous en parler tout de suite. Oui, nous avons mis bout à bout dans le désordre des moments où Michel se dit, après tout ça est un peu ennuyeux, je vais essayer de secouer l'atmosphère. Je me souviens de grands moments, moi. Moi aussi. Ah ouais, moi je me souviens une fois que vous êtes déshabillé au JT. Moi je me souviens de rien. C'est dommage parce que... Vous avez d'ailleurs déclaré... Ça a été trafiqué ou quoi? Non, c'est la réalité. Dites-moi Michel, vous avez déclaré... C'est pour me ridiculiser ou... Mais pas du tout, c'est pour vous mettre en valeur et montrer que vous êtes un gros déconneur. Regardez, c'est Pierre, votre ami, qui les a choisis. Le plat de pâtes au César avec Charles Aznavour, je suis pas fou. C'était Michel. Le plat de pâtes, vous souvenez de ça, Michel? Peut-être, oui. Un plat de pâtes sur la tête que vous avez reçu sur les Césars. C'était un grand moment avec Charles Aznavour. Avouez un plat de pâtes. J'ai l'impression qu'il n'avouera rien ce soir, Michel Zéro. Il fait semblant de plus savoir. En tout cas, la mémoire de la télé est là pour nous rappeler vos moments à la télé. Regardez. Bon, je vais me découvrir, mais je voudrais expliquer... Devant qui? Devant toi. Parce que vraiment, on regarde. Parce qu'on m'appelle une casquette en peau de fesse. Et je me suis coupé tout ce que j'avais de blanc sur la tête. Michel Serrault est venu. Vous êtes en train parce de que hier, voilà ce que j'ai vu. Hier, voilà ce que j'ai vu hier. Alors je me suis dit, il faut que...
Je crois qu'ils vont avoir du mal avec vous ce soir. Demain à 7h50, Gérard Leclerc recevra mon confrère Alain Duhamel qui parlera de son dernier livre, Les peurs françaises. Après le Paris-Dakar et le journal des courses, la météo de Nathalie Rioux. Elle va être contente d'avoir deux beaux amis dans ce journal. Nathalie qui vous parlera d'un sérieux renforcement des vins dans le quart nord-ouest du pays. À demain 20h. Merci beaucoup. Bonsoir. C'est pas chauffé, bon sang, bon sang, qu'est-ce qu'il m'a parlé? Il est insupportable. Non, pas insupportable, mais très sympa. Oui. Et moi, je... Merci. Mais, ouais. Qu'est-ce que... Un mec qui amour? C'est une... Bon, allez, pour c'est toi qui parlera. Là, nous sommes obligés de rendre l'antenne. Mais rendez l'antenne, mais moi, je m'installe. Ou alors, vous gardez le studio pour la nuit. C'est ma place, là. Bonne soirée, bonne fin de semaine. À dimanche. Oh, ben, comment vous rendez compte? Mais on peut pas passer, hein, sans ton blague. Je peux pas, je suis coincé. Dis, oh! Parce que c'est comme... Ah! On est compte, est obligé de refaire le décor. Où il est? J'en fais! Michel Serrault, mesdames et messieurs. Si... Oui. Comment faire pour interdire tous ces trucs-là? Ah bon, on peut pas? Ça repasse, ça repasse, ça repasse. Mais c'est les bons souvenirs. Je peux pas montrer mes fesses toute ma vie, quand même. Non, mais ça va pas bien. Mais on vous les avait montrés à plusieurs reprises, hein. On les a compilés, vous verrez oui, tout à l'heure. Oui, mais c'était pour un soir, c'était valable. Mes fesses, c'est intéressant. Mais pourquoi vous l'aviez fait, d'ailleurs, à l'époque? Hein? Pourquoi vous l'aviez fait, à l'époque? Devine. Je ne sais pas, vous... Non, c'est parce qu'on nous avait mis en... Il y avait un gars avec moi. Il s'appelle... Nagui, que j'aime beaucoup. Mais ça faisait... Mais quand on ne peut plus parler ou que l'autre veut... Il y a, comment dire, c'est un match de boxe où on se demande... Quand il y a une surenchère? Une surenchère. Je dis, il n'y a plus que, il y a plus qu'à montrer son cul. Il n'y a plus que le visuel. Ouais. C'est ça. Mais c'était bon une fois. Mais alors maintenant, on revoit ça tout le temps. D'ailleurs, à mon avis, c'est pas mal, c'est amusant. Mais si vous voyez mes fesses aujourd'hui, c'est mieux encore. Ah bah, félicitations. Je vous demande d'accueillir Mélanie, qui fait partie de l'équipe des enfants de la télé et qui va nous parler de pub ce soir. Alors Mélanie, vous êtes très belle ce soir, vous êtes très jolie. Enfin, d'habitude aussi, mais ce soir aussi. Je me suis assortie aux petites boules. Oui. Oui. Voyez. Faites attention à ce que vous dites. Hein. Hein attention, hein. Les gens peuvent mal le prendre. Non, les petites boules là, qui sont partout sur les armes. Voilà, allez. Génital, ça peut remonter des fois. Non, non, s'il vous plaît. On va commencer en cette fin d'année, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Tout à fait. On a concocté un petit... Elle continue malgré tout. Elle nous provoque, hein. Elle nous provoque. Non, non, c'est la fin de l'année, on s'est fait plaisir, on vous a concocté un petit pot-pourri de Derrière les fagots, les meilleures pubs de cette année 2003, la crème de la crème, le fin du fin, le meilleur du meilleur. Comme le disent si bien nos amis anglais, le fameux best-of. Ouais. Voilà. Alors, s'il y en a un ou deux qui n'ont pas compris, on vous a sélectionné les pubs qui nous ont fait le plus marrer. Regardez. Regardons.
premium light. Some drink it because they're responsible. Magnifique. Est-ce que pour le plaisir, on peut revoir celle, je crois, qui nous a beaucoup fait rire, Christian, celle du pigeon, pigeon. Je ne sais pas si Franck Broca, le réalisateur, peut nous remettre le pigeon. Elle est colossale. On ne s'y attend pas du tout. Le pigeon qui recoule sur sa branche. C'est un pur moment de bonheur. La voiture qui se fait pas chier dessus, ça, c'est... Elle était interdite, je ne sais pas. Mélanie ? Oui, à votre avis, quel est le mot qui revient le plus souvent dans cette émission ? À part Arthur, Magic Pierre Tchernia ou autre. Casserole ? C'est le mot casserole, ouais. Voilà, vous l'avez trouvé. On va commencer avec... il ne me regarde pas. Monsieur Christian Clavier. Ouais, ah bah je devais partir à ce moment-là. Non, c'est vous. On vous a déjà montré cette publicité dans cette émission, mais on a décidé d'en remettre une petite couche. Parce que vous étiez jeune, vous étiez beau, c'est vrai. Bah je suis toujours. Hein. Attends, mais qu'est-ce que vous dites, Mélanie ? Je n'insinue rien, la moumoute à la Mike Brandt. Mais vous allez nous les fâcher. Non, ça veut dire quoi, la moumoute à la Mike Brandt ? Ça veut dire qu'à l'époque, c'était très, très à la mode. Non, mais c'est vrai qu'il a toujours été tendance, hein, très fashion week. Même ce soir, il était très élégant. Il était bien broché, il était bien moulé. C'est au niveau des pompes qu'on a toujours eu un problème, j'ai bien compris. C'était au niveau des pompes, alors le talon fuyant, je demande explication. Après. Ah bah c'était la pub, hein, je ne sais pas. Ah d'accord. Vous savez même pas. Vous avez fait de la pub pour les Santiago. Voilà. Oui, enfin c'était une... Je ne suis pas sûr de la marque, mais... On va regarder. On va la regarder, on va la regarder. Regardez. Arrêtez de me parler d'argent. Arrêtez un peu. Moi, l'argent, hein. Un jean, une paire de bottes, et puis... Elles sont battes, mes bottes. Dessus cuir, talons fuyants. Oh, puis j'ai trouvé la combine pour les payer moins cher. 120 francs, ouais. 120 francs pour une paire de bottes. Ils n'ont vraiment aucune notion des prix, je suis un vérin. Aucune. Vraiment, je... Beau mec, hein ? Il était beau mec, hein ? En fait, le talon fuyant, c'est le taillon biseauté, quoi, non ? Bah, je sais pas si c'était le texte qu'on m'avait donné. Moi, j'ai dit ce qu'on m'avait dit de dire. Hein. Tout le monde a fait de la publicité autour de cette table, je pense. Hein. Jean-Marie, oui, c'est vrai. Ouais. Michel, vous avez fait des pubs ? Pas beaucoup ? Vous en rappelez plus ? Je ne fais que ça. D'accord. Jamel ? J'en ai réalisé deux et j'en ai fait une. Mm-hmm. Pour des boissons, c'est ça ? Exact. C'est uniquement pour des boissons ? Pour des boissons, et j'en ai fait une qui n'a jamais été diffusée, en fait. Ah ouais, bah, je crois que c'est l'occasion que jamais. C'est pourquoi ? Universal Music Mobile. Non, c'est pas celle-là. On est allé chercher beaucoup plus loin, n'est-ce pas, Mélanie ? On a pris l'avion. Effectivement, et oui, je l'ai dit devant la France entière. Jamel a une petite casserolette. Non, on n'attend pas, Jamel. Si, il a une petite casserolette, à sa manière. Mais j'ai une cocotte minute sur toi, de toute manière. Attendez, de quoi il s'agit ? De publicité que vous avez tournée au Maroc. Exact ! Vous les aviez oubliés ? Non, mais je voulais pas en parler. Ah bon ? On regarde ? Oui, c'est les pubs pour quoi ? C'est pour une carte. Maroc Télécom, la carte Jawel. Voilà. D'accord, regardons. Ouais. Hey, vous la connaissez la carte prépayée GSM Jawel ? Et si vous ne la connaissez pas, c'est grave, hein ? Tu sors ta carte Jawel ? C'est comme Jamel, mais c'est Jawel. Tu mets ta carte, tu dis téléphone, tu composes ton code, tu. Et regardez pas. Et voilà, ça marche. Carte Jawel, découvrez le mobile sans facture, sans abonnement. Et tu, Jamel, t'épouse. Comment ça, je pourrais avoir un abonnement Maroc Télécom, s'il vous plaît ? Ouais. Vous êtes désormais 2 millions à avoir fait confiance à Maroc Télécom et vous êtes le 2 millionième. Qu'est-ce que je gagne ? Vous et les 2 millions d'abonnés avez le droit d'accéder aux meilleurs services avec les tarifs les plus économiques et vous bénéficiez du plus grand réseau national. Dites-moi pas que c'est pas vrai encore ! Rejoignez Maroc Télécom qui vous réserve toujours de bonnes surprises. Je vais pouvoir appeler Jennifer quand je veux. J'espère qu'on n'est pas 2 millions à l'appeler en même temps. Allô, Jennifer ? C'est mignon ! C'est bien, c'est pas une casserole, mais c'est vrai que j'étais très fier de faire cette publicité parce que c'était un peu le lancement du portable au Maroc et depuis, il y a plein de portables au Maroc. Vous pensez que c'est grâce à vous ? Pas grâce à moi, mais c'est vrai que depuis, Maroc Télécom, avec cette carte, ça a été la révolution là-bas. D'ailleurs, je les salue s'ils nous regardent. D'accord. On va continuer. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on utilise, en fait, votre notoriété, vos talents de comédien, mais surtout le fait que vous soyez connu. Mais certains parmi vous, et vous allez nous le dire tout de suite, Mélanie, ont préféré se travestir pour faire de la pub. C'est ce que j'allais dire, c'est vrai. José, oui, vous avez une fâcheuse tendance à vous travestir.
Non, ça ne nous regarde pas. Ouais, je ne savais plus habillé vous, me... vous avez pour ça en parler à un médecin. Depuis toutes ces années, vous êtes tout le temps habillé en fille. Hein. Oui, mais c'est pas grave. Je vous dis, j'ai deux boulots, moi. En sortant d'ici... Vous voyez de quoi il s'agit? Oui, je vois très bien. Les, c'est les deux doigts qui coupent face, ouais. C'est ça? Exactement, même pour une barre chocolatée, ils se déguisent en femme. Ah, c'est Antoine Decaune qui l'a réalisé. Regardez notre ami José. C'est à l'époque des personnages, monsieur. Avec X, Twix, le cinéma le mercredi, c'est 18 francs. Vous avez une chance sur 4 de gagner? Pas mal, hein? Mélanie, autre chose? Alors, vous avez remarqué que depuis tout à l'heure, Mélanie vous charrie un petit peu, elle passe des publicités, elle fait des petites réflexions, tout ça. Oui, mais ça reste mignon, franchement, ouais. Je pensais vraiment que ça allait être plus hardcore que ça, en fait. Bon, mais l'émission n'est pas terminée, Jamel. Non, je dis ça parce que, Mélanie, on a une casserole sur vous. Parce que Mélanie, vous faites de la télévision, vous avez fait de la radio, vous êtes charmante comme tout, mais vous n'avez pas dit que vous avez fait des clips. Des clips? Des clips de charme. Non, ça va c'est pas. C'est pas vrai. Non. C'est extraordinaire. Non, mais c'est moi, faux. Moi, j'ai vu l'image, ça dépend si vous voulez la voir. Hein. Bah écoute, moi, c'est avec plaisir. Bien sûr. Non, attention. Attention. Hein. J'ai dit de charme, Mélanie. Mais c'est charmant, vous avez les cheveux un peu moins raides. Regardez cette image de Mélanie dans un clip, il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour dans ces images. Oh là là. Cheveux bleus au regard caramel. Merci Mélanie, merci, c'est très gentil. Bah, je vous remercie pas. Allez. Non, mais c'est fort quand même. Hein. La fille aux cheveux bleus au regard caramel, Jamel. C'est très mignon. C'est écrit par Jean-Claude Van Damme, la chanson, ou quoi? Bon, je réconfonds. Mais c'était Sébastien de Belle et Sébastien, je suis pas fou. C'était Rachid. Rachid ouais. Qui a joué dans Belle et Sébastien. Pas du tout. Non, c'est Midi dans Belle et Sébastien. Dans Las Désastres. Il a merci joué dans Mélanie. Belle et Sébastien aussi. D'accord. Mais alors, vous n'y arrivez pas, hein. Alors, je réagis un peu sérieux. Je voulais pas dire n'importe quoi et niquer l'émission. En tout cas, merci Mélanie. C'est moi qui je voudrais que sérieusement, on parle de Après vous, le film dans lequel jouent Sandrine Kiberlin et José Garcia, avec Daniel Auteuil, qui est un film que j'ai eu la chance de voir, qui est formidable, qui est une comédie, comment on dit, une comédie romantique, c'est ça, oui, c'est une le bon terme, et où on découvre un José Garcia inédit. Oui, un Daniel Auteuil superbe, une Sandrine qui ressemble à Botticelli, qui est un tableau plein d'images. Oui, oui. Alors, racontez-nous un petit peu l'histoire. Sandrine va le faire, puisqu'on est aux dames. Bien sûr, José. Non, mais c'est... Oui, c'est une comédie. C'est un homme qui veut en sauver un autre au moment où il tente de se suicider à cause d'elle. Et en le sauvant, il commet une erreur énorme. Lui, il ne voulait pas être sauvé. Donc, il va passer tout le film à s'excuser de l'avoir sauvé. Et en partie, en allant repêcher la cause de son suicide, et il va tomber amoureux d'elle. Voilà. Et c'est formidable parce qu'on passe du rire aux larmes. On ne vous attendait pas dans un rôle comme celui-ci. Ouais, bah... vous êtes drôle, mais vous êtes très, très émouvant, très attendrissant. Il est autrement drôle. Ouais. Ouais. C'est une façon différente. C'est plus proche des comédies italiennes. Ouais. C'est avec de l'émotion, de la tendresse et surtout beaucoup d'humanité. Et Sandrine, sans réduire votre rôle, qu'est-ce que vous pleurez dans le film? Vous n'arrêtez pas de pleurer comme vous avez fait pour pleurer autant. C'est ce qui est drôle, c'est qu'on a affaire qu'à des gens désespérés dans le film. Mais vous n'arrêtez pas de pleurer ou d'embrasser des garçons. Ouais. Oui, mais c'est comme moi, à peu près dans la vie, tous les jours. Si je ne m'habille pas en fille, je fais ça aussi. Vous pleurez, vous embrassez les garçons. Voilà pour les trucs. Alors, ouais, mais ça se termine bien, je ris. Ah oui, on ne va pas raconter la fin, mais c'est une belle balade. Et il y a Daniel Auteuil qui est formidable, qui travaille dans une brasserie, qui vous prend sous son aile, en fait. Ouais, je deviens sommelier. Et vous devenez sommelier, à part que vous n'y connaissez rien. Non, il y a c'est des ça, scènes ça qui est bien, voilà. Et puis, il y a... Enfin, je ne vais pas raconter l'histoire. Daniel, on le voit faire rire, comme lui aussi, on l'a rarement. Ah oui, c'est étonnant. Vous auriez pu inverser les rôles, d'ailleurs. De comique, quoi. Exactement. Je vous propose de jeter un coup d'œil sur la bande-annonce. Le film est sorti mercredi dernier, ça s'appelle Après vous, c'est un film de Pierre Salvadori, regardez. Non. Non, laissez-moi! Pitié! Aïe, 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 aïe. Oh mon nez, mais putain, mon nez, merde! Vous le trouvez comment, le poulet? Mort. Mais j'ai pas travaillé depuis 5 ans, moi j'ai plus l'habitude. Avant, je tenais un stand de tir dans une foire. Bonjour. Bonjour. Sur un entre-deux-mer, Château Bonnet, vous recommanderiez quoi?
Du cerf. T'es engagé. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu veux faire de plus, hein? Tu vas pas l'adopter. C'était la femme de ma vie, elle était tout pour moi, mon air, mon sang. Mademoiselle, madame. Mademoiselle. Tu sais, Antoine, hein, j'ai confiance en toi. Hein. Grâce à toi, on la regagnera, hein, on la regagnera. Embrassez-moi vite. Je préférerais pas. Tu m'as dit qu'elle était seule. J'ai dit qu'elle était pas mariée. Y a plein de gens qui s'envoient en l'air sans être mariés, merde. Oh non, merde, ça y est, voilà, j'ai l'image. Ah, merde. Merde, pourquoi t'as dit ça, bon sang, maintenant je vois plus que ça. J'y arrive pas, j'ai oublié tout ce que tu m'as dit, je sais plus rien. Mais pas du tout, tu t'en sors très bien. Quel con. C'est pas possible, je vais le tuer. On va savoir ce que tu veux. Il faut plus qu'on se voit. Antoine, je te présente la femme dont je t'ai parlé matin et soir. Bonjour. Ah ben, Popeye. Ça a pas l'air valide. Non, ça va pas du tout. Si tu savais... Oui, si tu savais, j'ai honte. Je vous invite pour les fêtes de fin d'année à aller voir ce film qui est sorti mercredi dernier. On peut citer d'autres comédiens qui sont à vos côtés. Il y a Marilyn Cantot et Michel Moretti. Ouais. Et donc, je vous invite à aller voir Blanche, Louis, Antoine, Sandrine Kiberlin, José Garcia et Daniel Auteuil dans ce film qui s'appelle « Après vous » et qui est sorti mercredi dernier sur les écrans. C'est un très beau moment. Très, très beau moment. Une petite question. Qui pratique du sport autour de cette table? Qui fait du sport? Je voulais juste profiter de l'occasion pour dire aux gens d'aller voir aussi le film de notre ami Laurent Baffie. Oui, les clés de bagnole. D'accord. Dans lequel on est tous les deux, Jamel. Alors, et, il faut y aller. Il a besoin de votre soutien, donc allez-y. Absolument. Hein. Oui, d'ailleurs, il a tout mis, d'ailleurs, dans ce film. Il a tout hypothéqué, il a tout mis. Hein. Voilà. Allez, je l'ai vu 5 fois, moi. C'est un bonheur total, c'est iconoclaste. D'accord. Eh bien, je pense que peut-être qu'il nous regarde et on le salue, Laurent Baffie, qui était là le mois dernier. Et on va aller voir aussi Christian et Michel, on va en parler dans un instant. Vous faites ce que vous voulez. Mais si, on va le faire. Qui fait du sport autour de cette table, ça m'intéresse. Bon cœur. Tous les jours. Comment? Je cours, je fais de la muscule tous les jours. Christian? Oui, beaucoup. Michel? La bicyclette. La bicyclette? Oui. Tout à l'heure, on a vu des... L'équitation, le cheval et la bicyclette. Oui. C'est vrai? Parce que je suis assis dans les deux cas. Ouais. C'est moins fatigant quand il faut pédaler avec la bicyclette. Non, sans blague. Oui, pourquoi vous voulez faire de la bicyclette ou quoi? Non, pas du tout. C'est une transition à 2 euros. Qu'est-ce que vous faites, un peu de sport, vous, non? Moi aussi, un peu. Non, footing, je cours. Je sais pas après quoi je cours, mais je cours. Hein. Un peu, c'est vrai? Oui, un petit peu. Où est-ce que vous courez? Dans le bois. Ah bon? Oui. Tout seul? Oui, souvent. Le soir, oui, c'est ça, oui, Christian, je vois vous voulez aller. Oui. Non, je parle brésilien. Parce qu'il m'a raconté deux ou trois trucs un peu... Ouais. Bon, on va pas parler à l'antenne. Oui. Sandrine, vous faites du sport? Non. Non? C'est bien, ça vous va bien? Merci. Vous en faites, José, je vous l'ai pas dit d'ailleurs depuis le début, vous êtes super, vous avez un corps, vous êtes super dans votre petit corps, vous avez maigri. Mais c'est vrai, j'ai vachement maigri, José. Merci. Pour quelle raison? C'est pour un film ou... Non, c'est pour un plaisir... C'est l'amour? Total, sans doute. Et vous, Jamel, vous êtes très bien aussi dans votre petit corps. Toujours. Hein. Moi, c'est grâce à l'amour que mon corps part en cacahuète. D'accord. Mais je pratique un sport, hein, le tagino marfou. D'accord. Que ma mère me fait régulièrement, c'est le seul sport que c'est je pratique. C'est bien avec les cigares au miel aussi, c'est bien. Exactement. Mais d'une manière générale, on n'a pas trop besoin. Tu sais, quand t'habites à Trappes, ou quand t'es issu un peu de banlieue, t'es toujours en basket. Tu cours souvent, ouais. Et parce que dès que tu vois mes courir, tu cours, tu sais pas pourquoi tu cours. Tu le suis, tu vois ce que je veux dire. On a gardé ça, en fait. Tout à l'heure, on a vu des sportifs à vélo et à moto qui prenaient des gamelles. On va continuer, cette fois-ci, c'est les rollers. Le roller est un sport très à la mode, mais très difficile à pratiquer. Et c'est une spéciale bêtisière. Voici un extrait. Puisque c'est une émission sportive, n'est-ce pas? Je n'ai pas voulu être en reste. Je prends mes accessoires. Non, ce n'est pas du ski. Alors attention, j'ai vu que tout le monde avait fait place sur le plateau. Et je commence à me prendre les fils à les fils. Bon, ben je disais que j'étais sportive. Voilà. Oh. Oh. J'arrive. Monsieur de Chavannes, cette petite fille... Ouf. Oh, bordel de merde. Ça va? Bah non, ça va pas, c'est la merde. Ouf. Oh là là.
that's it from the travel show for now. We'll be back at the same time next week. See you then. Goodbye. On a mal pour eux, hein. On a mal pour eux. Jean-Marie, on a mal pour eux. Hein. Ça fait très très mal. Ouais. La fille là, qu'elle tombe putain sur le coccyx là. On sent que vous avez mal pour elle, mais vous riez quand même. Hein. Oui, ben, oui, on rit pas avec le bonheur. Hein. Vous c'est voulez qu'on passe les deux derniers pour la fine bouche, hein? Allez, pour le plaisir, est-ce qu'on peut regarder les deux dernières gamelles qui sont magnifiques comme c'est une soirée, on rigole du malheur des autres, autant se finir. Hein. Regardons donc le roller, ce sport sympathique, convivial et douloureux parfois. Là, très très mal. Oh, wow. D'ailleurs, elle tape. On sent qu'elle est contente, hein. Mais là, il a voulu monter les escaliers. Alors, je voudrais quand même remercier José et Sandrine qui nous quittent. Merci, on vous retrouve au cinéma dans ce film qui est sorti la semaine dernière. Et puis alors, joyeux Noël, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la nouvelle année qui arrive? Oh bah écoutez, que ça continue comme ça a commencé. 3 millions d'entrées. Oh bah, même un 0 devant, 30, allez, soyons fous. Sandrine, on vous embrasse très fort, merci, vous venez nous voir. On va accueillir les invités suivants. Élie Semoun, Samina Seri et la sublime Arielle Dombal qui vont bien nous rejoindre tout de suite. Voici Arielle Dombal. Samina Seri. Thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night as he watches us the fall in the eye of the tiger. Cette troisième partie des Enfants de la télé, placée sous le signe des bêtisiers. Je vous demande de faire un triomphe à trois nouveaux invités qui viennent de nous rejoindre. On va commencer par Élie Semoun. Bonsoir Élie. Bonsoir. À ses côtés, la sublime Arielle Dombal. Bonsoir Arielle. Et enfin, c'est un plaisir que de recevoir Monsieur Samy Hasséry. Bonsoir Samy. Bonsoir à tous. Bien entendu, nous sommes toujours avec des invités qui nous accompagnent depuis le début de l'émission. Jamel Debbouze, Jean-Marie Bigard, Christian Clavier et Michel Serrault. Michel Serrault qui reprend des forces et qui mange une petite barre de chocolat. Hein. Et oui, il m'a offert un petit chocolat. Un bar. C'est bon, hein? Bon, juste une petite chose. Ce soir, c'est l'émission spéciale bêtisier. J'ai oublié de saluer Pierre Tchernia. Tiens, quelle classe. Bon appétit. Il est temps de retrouver. Un autographe de Michel Serrault. Oh, c'est ça, de la valeur. Il y a une dent. Ah, il y a une dent. Je disais, excusez-moi. Ils sont vécu à la canicule, toi. On va attaquer directement. Oh non! Ah non! Pardon, il y a des gens qui nous regardent. Non, ce sera coupé au montage. Non, on est en direct, Élie, ce soir. En direct? Oui, on est en direct. Mais merde, mais prévenez-moi, tu sais, j'aurais mis un petit costume, merde. Oui, c'est vrai. Je croyais que c'était une répétition. Mais c'est marrant, vous êtes habillé en chanteur ce soir, Élie. Je suis en chanteur, ouais. Moi, c'est pour ça. Demandez pardon, regardez la caméra là-bas, vous avez peut-être blessé des gens qui nous regardent. Je toutes les personnes âgées qui sont encore là. Je m'excuse auprès d'elles de m'être moquée de ces personnes. Papy, tu n'es plus là pour m'entendre, mais je t'aime. D'accord. On va attaquer directement cette troisième partie des Enfants de la télé avec un bêtisier spécial bafouille sur les plateaux de télé où quand les animateurs sont perdus, déchets perdus. Regardez. Charles Mignon et Jean-Pierre Soisson exclus du groupe UDF à l'Assemblée nationale.
Madame, monsieur, bonsoir. Le japonais, je crois que nous avions un problème. Je vais me renseigner auprès de la régie. Plus de 1000 participants qui seront versés. Il n'y a pas plus de... C'est pas 1000 participants qui ont été versés. C'est 1000 participants qui, chacun, ont versé 50 francs pour l'association Regain contre la lutte pour la drogue. Contre la lutte, je suis complètement calme. Réclamation sur, sur un lancé franc accordé au départ, puis refusé à Widam, en fin de rencontre, donc sur un lancé franc. Une réclamation sur un lancé franc, qui donc est une réunion demain prévue cette semaine, qui, là, je bafouille un petit peu. Là. Dernière brève, intéressons-nous à présent au travail d'une équipe DDF qui effectue des interventions délicates sur les lignes... Ah, excusez-moi, je viens d'apprendre qu'on change de sujet. Emmaüs... C'est pas drôle, ça. Emmaüs... Zut. Ah, excusez-moi, on a un petit problème technique. On devrait pas tarder, s'arranger. On va y arriver. Oh, EDF, antibiotiques. Parce que ces théories se banalisent et, je cite le rapport, parce que elles se banalisent, mais je ne trouve plus la phrase dans les partis de la droite populiste, excusez-moi. La ministre de... Pardon, c'est la date de l'armistice. Oh, excusez-moi encore. Il faut noter... Aura. J'y arriverai quand même. Il nous reste à nous dire au revoir. Après Charles, Andrew... après le frère de Charles, pardon, le prince de Galles et son épouse, donc, non, je me suis trompé, pardon, le duc d'York, le frère de Charles, le prince de Galles, et son épouse Sarah Ferguson, la belle-sœur de Lady Di, vous me suivez toujours. Mais je les remercie par avance parce que ce sera peut-être l'occasion à certains de voir un certain nombre de problèmes qui existent à La Réunion, y compris le CDPS d'ailleurs. Alfred, merci beaucoup. Alfred, merci beaucoup. De toute façon, nous suivrons un peu cette affaire. Alfred, merci. Merci beaucoup. Merci, bonjour Alfred. C'est magnifique. Et les bêtisiers, il y en aura tout au long de cette soirée, puisque c'est l'enfant de la télé de l'année consacré aux bêtisiers. Pierre, il est grand temps de retrouver notre jeu. Pour vous qui êtes dans le public, vous allez pouvoir gagner un ensemble téléviseur 16 9e grand écran et lecteur DVD. Ainsi, ce n'est pas tout, qu'un abonnement d'un an à TéléZ. Je rappelle que tout à l'heure, vous qui nous regardez, vous aurez la possibilité de jouer pour remporter les mêmes cadeaux grâce à notre partenaire TéléZ. Alors, c'est une photo du film de Châtillièse, Le bonheur est dans le pré. Voilà Michel Serrault, qui peut bien être le comédien qui se trouve à côté. Alors, trois propositions. Vous avez le choix entre Dick Rivers, Maïté et Eddie Mitchell. La réponse à la fin de l'émission. On ne souffle pas. Alors, je voudrais qu'on fête la musique et la chanson, puisque nous avons la chance d'avoir parmi nous un nouveau chanteur, nouveau venu, Eddie Semoun. Oui, tout à fait. Oui, c'est un petit peu au crooner que tu t'adresses. Là. Oui. Donc, je vais un petit peu changer d'attitude avec toi. Oui, j'ai l'impression que là, vous allez faire chanteur désormais, c'est tant mieux. Oui, tout à fait. Bah, c'est une nouvelle carrière qui s'amène vers moi. Je dirais que pour moi, la chanson d'amour est une chanson belle. Hein? Et c'est pour ça que j'ai voulu amener le petit plus. Alors, vous connaissez la chanson de Madonna, Like a Virgin? Tout à fait. Oui, je suis client, d'ores et déjà. Oui, d'accord. Okay. Tout à l'heure, on a vu Eye of the Tiger, et là, maintenant, on va voir plus fort, Like a Virgin. Vous connaissez la chanson de Madonna? Vous pourriez nous en chanter un petit bout, Ariel? Vous êtes chanteuse quand même. Hein. Like a virgin, on a very first time, like a virgin. Bravo, bravo. Respect, Ariel. Eh bien, si les candidats à l'émission Pop Idol avaient eu votre voix, on aurait évité ça. OK, and what are you going to sing? I'm going to sing Like a Virgin from Madonna. OK, cool. Okay. I was sad and blue, but you made me feel. Yeah, you made me feel. Ah non, mais le principe de ces émissions, c'est que tout le monde a sa chance. Est-ce que vous pourriez vous retrouver à chanter a cappella comme ça dans un casting, par exemple, vous, Ellie?
Ça dépend si t'as des images de moi faisant ça, mais non. Non, non. À part ce que vous avez chanté depuis quelques temps, vous avez fait découvrir votre album, on en parlera tout à l'heure, vous n'avez jamais chanté, non, c'est une première. Non, jamais. Quand t'es dans le cadre d'un casting, tu fais tout ce qui est normal de faire, enfin tout ce qu'on te demande de faire. Si t'as faim, on peut faire ce que tu veux. Avoir le rôle ou la... Ouais. Ouais. Mais là, en fait, c'est du foutage de gueule en direct, c'est pas possible. Ouais, j'ai du mal à croire que... Ah, mais si, mais vous savez qu'il y a des milliers de gens qui passent des castings, et même pour les castings de Star Academy, il y en a des comme ça, rassurez-vous. On les montre pas, mais il y en a. Moi, j'ai un copain dans Cyrano de Bergerac, qui était monté par Savary. J'ai deux copains, comme ça, qui ont fait à peu près ça, qui ont fait les cons. Ils ont dit, tous les mecs qui savent pas faire d'escrime, ils remballent les Gaules. Et eux, ils savaient absolument pas faire d'escrime du tout. Et quand est arrivé leur tour, ils ont fait un combat, mais lamentable, mais... tu vois, un truc, ils se tuaient l'un l'autre 10 fois et tout, ils ont grimpé sur les sièges et tout. Et à la fin, résultat des courses, Savary, il a dit, et c'est mon copain Frédéric Darry, je sais pas s'il nous écoute, et ben à la fin, Savary, il a dit, en tout cas, un truc sûr, c'est que ces deux-là, je les veux. Et il les a pris, et ils ont appris l'escrime après, ils ont fait les cadets de Gascogne. Ah, c'est vrai, on est dans le sport, hein. Ils ont osé, quoi, faire le con. Là, c'est un comédien qui joue la comédie. Mais il fait deux fois le même démarrage. Mais c'est faux. Écoutez, de toute façon, quoi qu'il en soit, je voudrais qu'on parle d'un autre grand chanteur. Quoi qu'il en soit, c'est drôle aussi. Arthur, tu peux nous dire qu'il arrête de ça. Il filme que moi depuis tout à l'heure. Il me vénère depuis tout à l'heure, ce caméraman. Mais non. Filme quelqu'un d'autre, sinon je comment. Mais non, parce que le caméraman, il vous filme. Filme quelqu'un d'autre. Commence pas à filmer comme moi. Tu filmes quelqu'un d'autre. Non mais il vous filme d'en bas pour vous grandir. Filme quelqu'un d'autre, je te dis là. Filme quelqu'un d'autre. Te préviens, tu commences trop à me filmer, toi. Filme-lui. Je veux lui dire qu'il est filmé dorénavant. Voilà. D'accord. Faire la réalisation de votre émission. Pendant que vous êtes là-bas, Jamel. À cette émission. Est-ce que vous connaissez un grand... Filme-lui, les gentils. On n'y arrivera pas filme-lui, ce soir. Voilà. Pat Le Guen. Non, c'est... Quand je dis filme-lui, tu mets la... C'est quel numéro de caméra tu mets la 5, tu branches sur la 5. D'accord, Jamel. D'accord. Dis oui que... Voilà. D'accord, Jamel. Alors, c'est pendant que Jamel fait le metteur en scène, je voudrais vous parler d'un grand chanteur. Jamel, vient parce que celui-ci est formidable. Je vais te montrer qui tu vas filmer. Il s'agit de... Je vais y arriver quand même. Hein. Bien. Jamel, là, comme c'est bon, ça. D'accord. Oui, je dois être beau comme ça. En gros plan, ça me met en valeur. Hein. Ça me met vraiment en valeur. Hein. Merci. Estelle. Non, mais... Oh, ça... Bon, alors écoutez, ça suffit. Je te dirai qu'il filmait tout à l'heure, j'ai encore un autre dossier. D'accord, alors. Non, mais attendez, puisque c'est comme ça, et comme vous n'étiez pas là au début de l'émission, on va regarder à nouveau Jamel qui rit dans le désert parce que c'est un. Écoutez, il n'y a pas de raison. Regardons. Ah mon Dieu. Alors, merci. Si ça vous dérange pas, on va s'intéresser un peu aux autres invités, hein, quand même, qui sont là depuis le début avec nous. Ça, c'est une bonne question. Et pourquoi ? C'est pas une question, mais c'est bien que tu fasses ça, que tu t'occupes des autres invités. Très bien. Moi, j'aimerais bien savoir ce que M. Serrault a fait dernièrement, par exemple. Dernièrement ? Ouais, à part l'affaire Domenici qui était merveilleuse. Eh ben, on peut en parler. Il est aux côtés de Christian Clavier au cinéma. On va en parler. Non, mais d'accord. Non, il faut pas me parler comme ça. Moi, je suis sorti. Non, c'est Arthur. Moi, je suis très. Il te parle. Non. Alors, commencez pas. Je rappelle que nous sommes en direct et que je veux parler. En direct, les enfants sont pas couchés. Je veux rendre hommage à un grand chanteur qui s'appelle José Lito Castafion. Il était de chercher où son blaze. Non mais José Lito, ouais. Son nom d'artiste. José Lito Castafion. Samy, José Lito Castafion est autour de la table. C'est pas vrai. Qui a chanté José Lito? Ça serait toi. C'est Bigard.
Eh oui, si, Elise Mood chante et pas depuis un an. Exact, depuis 1994. Oui, c'est vrai que j'ai eu une double vie, j'ai eu une autre vie. Avant d'être la vedette que je suis, j'étais espagnole. Et je m'appelais Joselito Castafion. Voilà. Et à l'époque, c'était ça, nos micros, c'était ça. Voilà, et Castafion, ça rime aussi avec Castafion. Regardez ces images d'Elise Mood. Et là, c'est le chanteur qui parle avant tout. Hein. Tout à fait. Et là, vous verrez que c'est vrai, c'est comme Like a Virgin. Hein. Je pense à toi, malgré que pourtant je t'aime, salope. C'était il y a 5 ans déjà. Pourquoi, comment, pourquoi déjà? Je m'ai posé la question parfois. Because t'es parti, t'es plus là. J'ai souffré, je fais oh là là. Et je bois café sur Kawa. Et je t'invente des prénoms. Annie, Virginie ou Raymond. Pourquoi, comment, pourquoi déjà? Parce que comme ça, parce que c'est ça. Mystique recherche, petite souris. Est-ce que je me suis bien fait compris? Alors, la chanson que vous venez d'entendre n'est pas dans l'album d'Elise Moon. Elle n'est pas dans l'album d'Elise Moon. Est-ce que vous connaissez l'album d'Elie qui a eu l'occasion de... Michel, vous permettez que je vous offre cet album? Eh bien, permettez-moi de vous l'offrir, Elise Moon. L'album s'appelle Chanson. Moi, je l'ai écouté, l'album. Ouais. On n'a pas l'impression que c'est Elie. Bon. Je te jure, non, mais c'est chanteuse, c'est, oui, c'est une chèvre, oui, en effet. Non, mais c'est vrai, alors, c'est un autre personnage, c'est quelqu'un d'autre. Oui, bah c'était pas prévu, et on a fait venir votre guitariste qui vous accompagne sur scène. Non. Si, est-ce que vous aimeriez qu'il nous chante un petit bout? Sacrée soirée. Alors, je vais vous donner un micro, Elie. Voilà. Ne me fume pas, c'est dégueulasse. Déjà. Alors, Elie, qu'est-ce que... toi, casse-toi. Par ta gueule. Alors, un peu de silence. Mais je sais pas, un extrait de votre album. C'est-à-dire que tu vas peut-être niquer ma carrière puisque tu as passé un sketch de moi où c'était ridicule. Et là, je vais chanter sérieusement. C'est ça. Non, mais c'est bien. C'est très délicat. Ça, c'est très délicat. Mais on va s'en sortir. C'est sans filet, hein. Mesdames et messieurs, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vais passer parmi vous après avoir chanté ma chanson. Où est-ce qu'on se met alors? On se met là? Bon, ben, on va se mettre aux côtés des jeunes filles, alors. Alors, allez-y, là, parce alors, que vais, on va chanter une petite chanson, la mais pas longtemps. Là-dessus non plus, le texte, voilà. Allez, mesdames et messieurs. Le texte, hein. Hein, ça me... J'adore le guitariste qui amène les paroles au cas où. Hein. Oui, oui, bah oui, au alors cas où. Alors, comment s'appelle l'extrait que vous avez ça choisi? Ça s'appelle Carte Postale. Alors, c'est, on va écouter c'est une chanson qui est sponsorisée par La Poste. OK. Voilà. On vous écoute. Papa, pa, dia, dia, la. Papa, pa, dia. Papa, pa, dia, dia, la. Papa, pa, dia. T'as pensé? C'est un parfum qui m'emmène là où je voudrais. Et j'invente des souvenirs des endroits où je ne suis jamais allé. C'est ce geste ou ce signe de la main que tu ne me feras jamais. Et j'entends, tu me dis ce que je veux, des mots d'amour qui n'existent pas. Et si je respire un peu trop fort, je reçois des images de toi et des cartes postales d'un pays que je connais. Des couleurs, un éclat de rire ou de cristal. De me fermer. Pa 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 ria, ria. Pa pa pa.
Merci. S'appelle Chanson. Et vous n'êtes voilà. pas venu les Mavis. Je suis suivi par un guitariste toujours. C'est à bien. Chaque fois. Vous n'êtes pas venu les Mavis. Vous allez faire un petit Chico. Cadeau. Ulysse. Ouais. Merci. Et vous nous avez amené un petit cadeau. Ouais. En plus d'une belle chanson, c'est un extrait du Bêtisier des petites annonces d'Élie. Regardez. Bonjour, good morning. Je suis. Good morning, ladies and gentlemen. Bonjour, c'est Mercedes et Jeanine. Et voilà, l'histoire de la petite fille qui commence. Elle vivait dans un petit village qui s'appelait... Je te vois pas, mais je te sens. Recordman du 30 secondes déshabillé jeté en Alaska. Contactez-moi sur mon billard. Dépêche-toi vite. La petite fille qui ne pleure jamais. Elle vivait dans un petit... Sayonara. Sayonara. Un concurrent sérieux. C'est un silence. Oh merde, putain, on va jamais y arriver, c'est pas possible. Alors, dans un instant, nous allons parler d'Albert et Méchant. Le film dans lequel joue Christian Michel, mais aussi Ariel. Mais juste avant, je voudrais qu'on montre une image assez rigolote. Vous avez participé à Qui veut gagner des millions Le jeu de Jean-Pierre Foucault. Oui. Et alors, vous vous souvenez de votre passage à Qui veut gagner des millions? Je me souviens que c'était pour les pièces jaunes. Oui, tout à fait. Et qu'on a gagné pas mal, oui, oui, oui. Mais à un moment donné, on a perdu de manière fracassante avec Michel Bernier. Et pourtant, est-ce que... perdu quoi, en fait Non. Parce qu'heureusement, on c'est pourtant, pas. On ne rétrograde. On ne rétrograde. Laisse-la pas, parler. Heureusement, tu me coupes la parole. et pourtant, qui m'intéressait après. Non, mais Ariel, il y a un moment, vous n'avez pas compris les règles du jeu. Ah pourquoi? Si. Ah non. Ah bon. Je ne sais pas. Il y a un moment, Ariel, je vous jure, on sent que vous n'avez pas bien percuté le principe du jeu, du joker. Du joker. Non, je ne me souviens pas très bien. Oui, non, on va vous rafraîchir la mémoire. Voici Ariel Dombal dans Qui veut gagner des millions. Magnifique, spécial pied jaune. C'était en 2003. Et donc cette année, dites donc. Eh ben oui. Quel moment, quel beau moment. Ouais. On va bien rire, regardez. Ou alors un joker. Parce qu'on ça, c'est un joker, ça, 50-50, Ariel. Ah bon, d'accord. Alors un joker. À qui on peut appeler, là? Quelqu'un de très pertinent, incollable. Ah, c'est difficile. Magnifique. Moi, je rêve d'un Qui veut gagner des millions avec Ariel et Jean-Claude Van Damme. Spécial extraterrestre. Je voudrais qu'on parle du nouveau duo de choc du cinéma français. Christian Clavier et Michel Serrault dans Albert et Méchant. Qui sort le 14 janvier. C'est lui, Albert. Hein, c'est... Oui, je sais. Alors, justement, qui est Albert? C'est vous, Michel. Et vous pouvez nous parler un peu de ce film que j'ai eu la chance de voir, qui est très drôle. C'est une comédie. On vous voit tous les deux. Et alors, pour la première fois, c'est pas vous le méchant, dites donc, Christian. Oh, bah, c'est pas moi non plus. Oh, un petit peu, quand même. Oh, tu viens quand même me ruiner l'existence, quand même. Non. Tu n'as pas vu le film. C'est vrai. Racontez pour le téléspectateur ce qu'on dit, le pitch de Albert et Méchant. Albert, c'est Michel Serrault. Oui, c'est un homme qui a décidé de vivre en marge complètement de la société d'aujourd'hui. Il déteste tout ce qui est carte de crédit, voiture décapotable, hypermarché, télé, tout ça, il n'aime pas du tout. Et il vient pour une question d'héritage s'installer chez moi. Ouais. Et il va me ruiner l'existence, il va nous ruiner profondément l'existence. Il va vous pourrir la vie. Et en même temps, ça va me permettre d'hériter, mais pas de ce que je pensais. C'est une assez bonne histoire, en fait. Il va vous ouvrir les yeux. Il va m'ouvrir les yeux sur un certain nombre de choses. Oui. Alors, il n'est pas vraiment méchant, mais il ne peut pas supporter certaines choses. Alors, votre femme, c'est Ariel. Oui. Moi, je dirais que c'est une histoire vieille comme le monde. C'est le rat des villes et le rat des champs, tout simplement. C'est ça. N'est-ce pas? Et à
alors, Michel et rat des champs, mais à mort. Hein, barbu, il sent mauvais, il gratouille. Comment il gratouille. C'est trop. Oui, écoutez, c'est ça, Michel. Oui, non, soyons francs. Et Michel, il cultive ses herbes à lui. Hein. Oui, c'est ses herbes de Provence à lui. C'est un vieux fumeur de pétard et qui vient... Vous avez vu qu'à écouter, vous voyez là, je ne suis pas très bavard parce que je n'ai pas vu le film. Encore. Mais moi non plus. Mais on l'a tourné. Toi, tu n'as pas joué. Je l'ai vécu. Non, il faut que. Vous savez, ça se fait par séquence, par plan, vous connaissez un peu le cinéma. Et tant qu'on n'a pas vu le film, on ne peut pas savoir. Alors moi, je l'ai vu, il est vraiment drôle, c'est merci super. Merci beaucoup. Il sort le 14 janvier, vous avez un animal de compagnie formidable qui est un. Comment on appelle cet animal-là? Un marcassin. Oui, un sauvage. Voilà, sauvage, oui. Qui vous accompagne partout. Vous vivez avec Ariel dans un lotissement, dans un golf, auprès d'un golf, d'une petite vie bourgeoise et sympathique. Et là, il vient vous pourrir la vie, quoi. Oui, une vie même assez friquée, un peu fashion victime. Et donc, il vient nous pourrir la vie. Mais je crois que c'est plutôt pas mal, oui. Regardons un extrait de la bande-annonce et on en parle juste après. Albert est méchant, le 14 janvier sur les écrans. Ah oui, ça va être une récolte exceptionnelle en cette année. Oui, mais attendez, dites donc, c'est de la marijuana. Non, vous pourriez avoir des ennuis, parce que c'est interdit de faire pousser de la drogue, hein. Interdit par qui? Qui peut avoir le droit de décider pour moi ce qui est bien ou mal, hein? Qui? Oui. Personne. Et alors là, où je les emmerde, moi? Ce qui interdisent, c'est que je la fume pure. Pas besoin d'acheter leur tabac qui donne le cancer et qui est taxé un maximum, non? Goûtez-moi ça. J'aspire, mais j'avale pas. C'est ça, j'avale pas. Pauvre cul. Voilà, nous sommes sur TF1, ce sont les enfants de la télé spéciale Bétisier. Et nous avons donc ce nouveau duo. C'est une première, on l'a vu tout à l'heure avec un extrait de ce film que vous aviez tourné ensemble, mais c'est une première, c'est un grand duo. Ça fait quoi de jouer pour la première fois avec Michel Serrault? Oh bah c'est bien, hein. Non, c'est exceptionnel, oui, effectivement, d'avoir... Non, mais moi, je suis très heureux de l'avoir rencontré parce que il m'a intimidé. J'ai eu très peur. Et puis, il m'a dit, mais t'inquiète pas, tu verras, quand on aura tourné deux ou trois... Ça va bien se passer. Ça ira mieux. C'est le premier qui est dur. Et vous, Ariel, de travailler avec ces charmants bambins? Mais écoutez... Non, je dois dire, alors, non, pour être franc, parce qu'on dit des bêtises, etc., mais la première fois que je... C'est pas la première fois qu'on tourne ensemble. Non, non. Et c'est la deuxième fois que tu me fais peur. Carrément. Oui, parce qu'elle a un charme et un talent qui est... c'est inexplicable. D'ailleurs, il y a un moment, elle... C'est vrai, il y a un moment, il y a une scène. Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, il y a une scène, un moment où elle prend un bain. Elle prend un bain et vous passez, vous matez hein, par la fenêtre. Hein. Oui, bah, je passe et puis bon, elle est en train de chanter, elle est ravissante parce qu'elle joue. On peut le dire pour les amateurs, tu es à moitié nue dans le film. Oh non, tout de même pas. Oh, même, non, entièrement nue. Non. Il y a des scènes assez chaudes. Elle est bien nue. Ah, ça, c'est du marketing, ça donne envie. Hein. Albert Méchant, un film, il faut le citer, de Hervé Palud avec Christian Clavier, Michel Serrault, Ariel Dombasle. Bravo. Et entre autres, vous savez qui... C'est vraiment étonnant. Il y a Priscilla dans le film. Oui, qui joue notre fille. Oui. La chanteuse Priscilla est dans le film. C'est qui Priscilla? Priscilla, la chanteuse. Très mignonne, dont c'était le premier rôle. Elle avait peur et elle était formidable. Eh bien, merci d'être avec nous. Et ce film est un vrai bonheur. Allez le voir. C'est mi-janvier, le 14 janvier exactement. Allez voir ce film. Moi, j'ai passé un agréable moment. Vous ne l'avez pas encore vu, Michel? Comment? Vous ne l'avez pas encore mais vu? Mais non, je n'ai pas eu le temps. Non, parce que, en fait, ce n'est pas mon métier. Je ne suis pas acteur. Moi, j'ai d'autres choses à faire dans la vie. Et par accident, je fais grand dingo, je vous jure. Non, mais... C'est vrai, il tourne, mais il ne voit jamais. Après. Non, je ne vois pas. Mais Michel, bon. Michel, tu vois, t'as la maison d'honneur. La maison? Ouais, la Légion, Jam. La Légion. C'est ce que j'ai dit, moi. Oui, t'as dit, non, mais la Légion, ouais, sur le micro, c'est la Légion. Formidable. Ouais, la Légion. Ouais. Comme Jacques Chirac, hein. Mais si vous avez voté, d'ailleurs. T'inquiète pas, dans 2-3 ans, tu verras. Et tu payes tes amendes, quand même, ou pas? Est-ce que ça fait sauter les amendes? Parce que sinon, ça sert à rien. Non, mais Jamel, peut-être qu'un jour, le président de la République, Jacques Chirac, vous remettra la Légion d'honneur. Depuis que vous avez annoncé que vous avez voté pour lui, c'est une bonne nouvelle. Il va peut-être vous remettre des plumes. Non. J'ai voté pour lui, effectivement, mais c'est parce que c'est ma mère qui m'a obligé. Hein. Non, mais c'est vrai, parce que comme le 21 avril, quand Jean-Marie Le Pen a failli passer, ma mère était en panique, la pauvre, devant la télévision avec son petit phare passé. Et quand elle a appris que Jean-Marie Le Pen a failli passer, elle a regardé la télévision comme ça. On va mourir! On va mourir! En tout cas, en attendant ce soir, maman, si tu me regardes,
Français sont suffisamment intelligents. Alors, d'abord, moi je crois. En attendant, ce soir, on va mourir de rire avec ce bêtisier que je vous offre tout de suite. C'est un bêtisier de fou rire, regardez. Victime il y a 10 ans d'un tragique accident de montagne, Karine a décidé. Il vient lui aussi de sortir un disque. J'espère que nous allons voir sur la caméra. Pour qui apprécie les histoires. Le pauvre. À partir de ce lundi 4 octobre, votre dernier journal de la soirée subira un lifting. Chaque soir, avec un invité. À partir de ce lundi 4 octobre, votre dernier journal de la soirée subira un lifting. Chaque soir. Au championnat de France Super Tourisme sur le circuit Bugatti, nette domination des BMW M3. Entrée de Jean Ragnotti au volant de la nouvelle R21 Turbo 4K. Mais vachement, puisque le pilote est sorti. Voilà, il y a un tonnerre d'applaudissements pour Marie-Christine qui a bien défendu et qui a fait triompher. C'est dans le cadre hautement historique du Palais Royal, qui est aussi un lieu d'art contemporain, puisque je me trouve devant ces magnifiques boules. Je ne peux pas dire ça. Il faut trouver autre chose. Il est 16h, pardon. C'est tout. Ces animaux qui nous rendent très heureux. Voilà, il est 16h. Tiens, on va regarder le ciel du côté de Megève. Excusez-nous, c'est... Ah ben, c'est très nuageux. Ah oui. Louis Bonin, vous faites le point. Des fous rires, des bêtisiers et mille autres surprises dans un instant pour la suite des Enfants de la télé spéciale bêtisier. A tout de suite. Merci, bienvenue, vous êtes en direct sur TF1, ce sont les enfants de la télé, spécial bêtisier, toujours en compagnie de nos invités très en forme, et on va démarrer tout de suite par un bêtisier spécial, Bafouille, il est où Javel? Oh, il est fou ce Javel. Quelques bafouilles, on se retrouve juste après. Nous sommes totalement prêts, même plus loin que ce qu'est que Gisre. Non, on veut justement inculquer. Pardon, je vais répéter ça. Monsieur Véret, nous sommes là. Allez, viens. Oh là là, j'ai rien vu ce midi, hein, je précise. Allez, vin. La viande a une part, oui, a une qualité parce qu'elle est tuée à la tradition. Comme dans le temps, exactement pareil que dans le temps. Donc, fermeture de plusieurs magasins, de plusieurs points de vente en... Boucher artisanat. Je sais pas plus. C'est cassé avec un coup près. Et une partie est faite avec la main. Et ça chauffe pas. Les autres, ça ne se chauffe pas. Vous êtes venu pour quoi, en fait, ce soir? C'est défendre l'histoire, hein, comment? Il faudrait que. Moi, je vais plus loin. Qu'on bouche un peu plus l'histoire du ministre. Et vous savez que le papa, il n'y a rien qui bouge. Hein. Écoutez, madame, moi, je réclame pour les poubelles, surtout, parce que mon mari, il ne sait pas les porter. Toujours avoir obligation. Allez, je m'énerve. Faut-il laisser tout faire, comme certains le disent dans la pensée libérale pure et simple? Non. Il faut accepter les continuer de changement. Et nous, les leaders socialistes européens, nous réunissons sur ce point. Ah, alors, Émile, qu'est-ce que vous avez pensé de ces images? On n'a pas à se moquer des gens qui parlent d'une façon qui se sentent des extrémistes. Non, c'est pas vrai. Comment ils peuvent... Quand les gens s'énervent, c'est pas parce qu'ils ont du mal je suis pas d'accord. À s'exprimer. Je suis pas d'accord. Quand les gens disent, ils peuvent pas essayer de parler comme ils font, mais partout quand même. Non, c'est pas gentil, ça. Il ne faut pas se moquer. Du mal à être prêt. Michel, qu'est-ce que vous en pensez?
Méfiez-vous, parce qu'ils l'ont tous fait exprès pour vous faire rire. C'est mignon, et c'est là-dessus que nous allons nous séparer de Monsieur Debbouze. Oh. Eh oui. Faut pas rester là, Monsieur Jamel. J'ai passé un agréable moment en votre compagnie. Merci, mon ami. J'ai merci à tous. J'étais pas traité par la toi personnellement. Oui. J'ai passé j'ai passé une soirée en agréable compagnie de tous les gens, sauf de toi. D'accord, merci. Je propose une réconciliation. Oui. Merci. Juste, Jamel. Alors, j'ai les dates de vos différents spectacles, dis donc. Ouais, ça fait plaisir. Un petit mot gentil sur moi. J'aime tout ce que tu fais. D'accord, donc vous serez... Est-ce que tu peux juste rectifier le tir sur ma veste, ça me ferait plaisir. Oui, c'est une veste très à la mode. Je te remercie infiniment. Mixte, on va dire. Estelle, si tu m'écoutes, je chante. Jamel sera au Casino de Paris du 23 décembre au 11 janvier au Bataclan du 13 janvier au 18 janvier à l'Olympia du 20 au 25 janvier. Merci mille fois. Cette émission, c'est un match de boxe depuis le début de l'émission. Là. Je suis épuisé, mais nous avons la chance, et c'est un plaisir, que d'abord, le plus célèbre est probablement l'un des plus beaux chauffeurs de taxi de France, mesdames et messieurs, puisque Samy Nasseri est avec nous ce soir. Alors, Samy, vous êtes là pour nous parler de la trilogie de taxi. Ça fait, les trois taxis additionnés, ça fait combien de films? Combien de téléspectateurs, pardon? Ça va. Jamel, il l'a épuisé. Alors, ça il y a eu 6 millions sur le premier, ouais. Il y a eu 11 millions sur le deuxième et 6 millions sur le troisième. Combien? 6, 10 6, 11, 6. 17, 23 millions. Ah, mais millions. Des broutilles, quoi. Et ouais, à quelque chose près. 23 millions pour Taxi 3, c'est la consécration et c'est un beau cadeau de Noël. C'est ce que j'allais vous le dire, monsieur, pour que vous le disiez, vous. C'est pourquoi je vous invite à jeter un coup d'œil sur la bande-annonce. Merci, regardez. Monsieur. Alerte générale! Attention! C'est fini les vacances de Noël. Bon. Moi qui m'étais engagé parce que je pensais qu'on se prendrait bien la gueule. Concertation, réflexion, action. Mais on va peut-être se faire remarquer comme ça. En l'air décontracté, tout se passera bien. Maintenant, là, ça serait bien qu'un miracle. Donne un tir. Déployez-vous. Il n'y a pas de doute, c'est Noël. Qu'est-ce que c'est que ça? Au nom de la loi, arrêtez-vous! Bouge-toi. Commissaire! Attendez-moi! Attrapez-le! Arrêtez-vous! Au nom de la loi! Alors, une autre question? Voilà pour le coffret, la trilogie de Taxi. Et puis alors, on vous voit bientôt au cinéma. Voilà, je fais le prochain film de Merzag Alouach qui nous a servi Chouchou et bien d'autres encore. Et c'est l'histoire d'un mon frère qui s'appelle Bouzid, qui joue de l'ordinateur. Il va faire venir une fille à Alger pour la draguer, pour rester avec elle. Et malheureusement pour lui, elle va tomber amoureuse de moi au lieu de tomber amoureuse de lui. Voilà. Comment s'appelle le film? Ça s'appelle Babel Web. Web, comme d'accord. Le truc d'ordinateur. D'accord, on sera là. Et vous pouvez revenir quand vous voulez nous en parler, d'ailleurs. Je suis tout merci, pouille. Samy. Pas de problème. Je voudrais qu'on ouvre une page animalière dans cette émission, car nous avons la chance d'avoir un grand, grand spécialiste des animaux. En l'occurrence, il s'agit de Jean-Marie Bigard, qui connaît presque tout sur les animaux. Il en a fait un spectacle avant d'en parler, un bêtisier. C'est cadeau pour vous et pour vous tous qui nous regardez. Un bêtisier pour ceux qui aiment les animaux. Regardez.
thank God. Là, j'ai le micro. Check up, evil. Oi! Plateau de télévision, évidemment, on voit pas ce genre de pareil micro. Pareil avec les ingénieurs du son. Non, mais c'est vrai que dans les films, il y a toujours cette espèce de chose poilue. Et ça s'appelle un micro, hein. C'est, au cinéma, oui, c'est dur de jouer avec des animaux. C'est dur. Vous avez eu l'occasion avec des choses poilues aussi. Non, mais on voit que ça déchaîne. Hein. Oui, tout à fait. Vous avez eu l'occasion de jouer avec des animaux au cinéma. Oui, oui. Là, on avait un marcassin en permanence. C'est compliqué. Ouais. Il ne refait pas toujours. La première prise est bonne, mais la deuxième, il a tendance à se barrer. Alors, c'est pas l'animal le plus facile à dresser, le marcassin. Non. Alors, nous, je vous le disais. C'est affectueux en même temps, mais ça bave énormément. Nous avons la chance d'avoir. Quand j'ai tourné le Dirlo, il y avait un tourné avec un bébé. Non, il était dans les bras de sa mère, présumé dans un le truc. Bébé marcassin. Et on avait énormément de mal parce que le bébé était fasciné par le truc. Il disait le balai. Il faisait le balai. Bébé, un vrai bébé, on appelait ça un bébé marcassin, on comprenait pas. Non, il disait le balai. Moi j'ai une histoire comme ça justement, si je peux me permettre. Moi j'ai tourné. Si je peux me faire mettre. Non, Jean-Marie. Non, je préfère mettre que. Non, s'il vous plaît. Même s'il est tard, s'il vous plaît. Jusqu'à aujourd'hui, je peux permettre que me faire mettre. Alors, Samy. Enfin, la vie. Et vous avez une princesse à côté de vous, s'il vous plaît. En plus. C'est lui, il est dégoûtant. Il parle de cul. Alors, non, je disais que moi, j'ai tourné un film pour Arte, un film télé, et on avait tellement de mal à tourner avec le bébé, parce qu'avec le bébé, il y avait un bébé qui pleurait tout le temps et un autre bébé, donc c'était des jumeaux. Et la chance qu'on a eue, c'était d'avoir des jumeaux et de pouvoir les changer à chaque prise. Quand il y en avait un qui pleurait et qui voulait le biberon, on arrivait à interverser à chaque fois les bébés, donc c'est une facilité, quoi, voilà. D'accord, très bien. Voilà, donc un truc, si vous voulez jouer avec des enfants, prenez des jumeaux. Voilà. Bon, alors, chez les animaux, c'est d'ailleurs le thème de votre dernier spectacle, c'est la vie des bêtes, enfin plus précisément leur vie sexuelle. Hein, vous, on apprend plein de choses. Tout, on parle de toutes leurs attitudes et je précise bien qu'on est l'animal le plus évolué de la planète et qu'on n'est souvent pas très loin et même des fois on est battu, quoi. Quel est l'animal dont vous enviez la sexualité? Parce que vous en parlez beaucoup dans le spectacle. Le chien, il fait un peu de zoophilie. Le canari. Non. Le paon, j'aime bien le paon parce que quand il a envie, il arrive vers sa copine, il lui déballe un fromage d'enfer, tu vois. Et là, il a toutes les chaînes, hein, canal satellite, tout. Là, tu vois, il tourne un peu du cul, ça fait bouger tout l'ensemble. Et alors la femelle, quand elle voit ça, tu vois, ça lui tourne la tête, tu vois, et là, il la retourne et paon. D'où son nom. Si vous deviez être un animal, vous aimeriez être quel animal? Pierre, vous nous dites à chaque fois l'éléphant, c'est ça? Oui, aujourd'hui, je vais dire l'hippopotame. L'hippopotame. Et vous, Michel? J'ai un briard. D'accord. Non, mais c'est pas ça la question. Mais c'est pas ça la question. Si vous aimeriez être un animal... Je n'entends rien de ce que vous me dites depuis 3 heures. Si vous deviez être un animal, ça serait lequel? Un briard. D'accord. Christian? Un mouflon, peut-être. Un quoi? Un mouflon. Vous connaissez pas? Si, le petit truc dans la montagne. Voilà. Ariel? Oh ben moi, un chat. Un chat. Ouais. D'accord. Samy? Moi, un lion. Un lion. Élie? Un briard. Oh, d'accord. J'aurais dit le petit furet des Balkans, moi. Oui, une petite fouine. Oui. Alors, vous attaquez à un événement qui sera à la fois un événement et certainement un record, puisque vous allez interpréter votre one-man show au Stade de France. Je crois que ça mérite quelques applaudissements. Le 18 juin 2004. Hein, c'est marisé. 2004. Le 18 juin 2004, pour la première fois, vous avez joué au Stade de France. Oui. Combien de spectateurs? 52 000, parce que c'est la jauge assise du Vous allez avoir le trac de votre vie.
Non, pas sûr, parce que je vais vraiment bien me... Je vais faire le trophée Andros le 7 février. Ouais. Et je ferai le monsieur loyal de la course. Donc de 16h à 22h, je vais tester le son qui sera intégralement installé, comme pour le 18 juin. Et je vais savoir, je vais connaître le 7 février, je vais savoir exactement si c'est jouable. Et je pense que ça l'est, puisqu'on va mettre tout le monde à 40 mètres du son. Et je vais là, parce que tu imagines bien que je ne vais pas me pointer le 18 juin en faisant Paris, Bordeaux, Strasbourg, comme on fait avant. Non, bien sûr, il y a toute une préparation technique. Quand, mais... Oui, donc, et c'est pour ça que personne ne l'a jamais fait, parce que ça nécessite non seulement une technique, mais des dépenses. Et vous arrivez à endormir ? Oui, oui, bien sûr. Vous ne stressez pas ? Oui, je pense que c'est jouable, parce qu'on ne va pas faire de la diffusion faciale, on va essayer de faire recevoir le son à tout le monde et être au coin du feu avec 52 000 personnes. C'est ça la performance que j'ai envie d'atteindre. Puis bon, en même temps, hein, c'est une fête. Hein. Ah bah c'est oui. Vraiment une fête parce qu'on va faire un gros barnum de lumière, baloche, et puis on va s'amuser avec beaucoup de choses. Il y aura des surprises choses. Oui, il y aura sûrement beaucoup de surprises. Et puis quand ce sera au point, ça va certainement intéresser après beaucoup de gens de... pouvoir se dire, bah tiens, moi, je pourrais, avec une guitare, jouer à Ellie, qui va faire son prochain concert. Au Stade de France, trouve, ouais, Stade c'est tout de à France, fait adapté, ouais. Avec cette technique sur laquelle travaillent des ingénieurs. C'est même pas le nombre de disques que vous avez vendus, donc. Oui, exact. Non, mais c'est pas méchant. Non, mais c'est pas méchant. Les gens sont avec moi, c'est dégueulasse. Les Français ont besoin d'avoir des chiffres, Ellie. Ah bon? Je vous propose de regarder un extrait de votre spectacle qui est sorti en DVD, c'est pas celui du Stade de France. Des scores pareil extraordinaires, c'est-à-dire que là, par exemple, les week-ends, en deux jours, je fais deux fois et demi le Stade de France. On va sûrement en vendre 800 000 d'ici la fin de l'année. C'est un cadeau. Ça s'appelle Des animaux et des hommes, et je vous invite à vous l'offrir pour Noël et l'offrir à vos proches. On envoie un extrait, on a choisi votre. Ah, je te dirai un truc après. D'accord. D'accord. Moi aussi. Ok, qui veut dire quelque chose après? Qui? Juste après l'araignée, regardez. Tu sais, chez les araignées, tiens-toi bien. Ce que je vais te dire, des fois la femelle araignée, elle est 70 fois plus grosse que le mâle. C'est comme si nous, on tirait une gonzesse de 5 tonnes et demie. D'ailleurs, tu y déclenches un orgasme, t'as intérêt à te barrer du plumard, hein. C'est si elle roule un petit peu, elle t'écrase comme une merde, elle te sent même pas. Alors elle en veut pas plus, ni machin, et elle est terrible. Le petit mâle, il est encore en train de la bourrer. Elle bouffe déjà l'abdomen. Il n'a pas fini encore. Là, il est obligé de dire « Oh, t'as deux minutes !» Je vois bien que t'as un petit creux, mais tu mangeras après. Est-ce qu'il y en a un qui a échappé un jour à la mort? Tu vois, et puis il est peut-être venu prévenir tous ses copains, trempé de sueur comme moi, tu vois, il est arrivé là comme ça, il a dit « Les gars, il faut que je vous prévienne d'un truc terrible. Cet après-midi, avec Maurice, on avait décidé d'aller tirer la grosse Josiane. Maurice, il m'avait dit, Josiane, elle est bonne. Et en plus, il paraît qu'elle l'avale. Oh. On y va. Maurice, il me dit, je passe le premier. Ben, je dis, vas-y, Maurice. Oh, putain! Il n'a pas été déçu, le Maurice, hein? Ça, pour avaler, elle avale, hein? Elle l'a même avalé entièrement. Avec les chaussures et tout, hein? Donc, faut qu'on trouve quelque chose, sinon on va tous crever. Mais il y en a un qui a trouvé. Capture une mouche. Il enroule dans du fil, la mouche, et il passe devant la grosse araignée. T'imagines qu'elle est grande comme tout le plateau, là. La grosse, elle sent le bordel, toi. Hein. Elle y agrippe le paquet. Oh, qu'est-ce que tu trimbales là? Et tout d'un coup, lâche le paquet, file derrière, et il la nique. Pendant qu'elle, elle déballe son paquet cadeau. Ah, il se mène le cul, hein, il traîne pas, hein. Il ne veut pas se faire grailler, hein? Oui. Ouais. De temps en temps, il regarde s'il lui reste assez de mouches. Là, il se fait chier à l'arrière, hein? Il est vachement loin et tout, il est obligé de se motiver. Il dit, ah! Tu fais ta petite putaine que je suis devant toi, hein? Là, tu chantes moins fort, salope! Tiens, je te mets tout, regarde! Ah! Et là! Et bien, d'un coup, il se souvient de son pote, il dit, regarde, Maurice! T'es vengé, Maurice! Les animaux, un
interprété par Jean-Marie Bigard. Et donc, quel DVD. Et puis, donc, on a noté la date du 18 juin au Stade de France. Vous voulez me dire quelque chose juste après? Ah oui, je voulais dire un truc extraordinaire qui se passe ce soir, parce qu'on est en direct. Et dans les bonus, il y a une heure et demie de bonus dans ce truc, parce qu'à chaque fois que le spectacle fait 2h20, je retire 20 minutes et ainsi d'accord. de suite. Et dans les anecdotes, il y a un moment, je rentre, tu sais, quand je rentre, je me présente, je présente le plan du spectacle et tout. Et à un moment, j'arrive, il y a une jeune fille qui est pas encore assise et tout, donc la caméra me filme, on remet sur les écrans et tout. Et je dis, mais de quoi, qu'est-ce qu'il y a, tu cherches ta place et tout. Et moi, je la prends, comme ça, je dis, ah, tu cherches ta place et tout. Ouais. Et ça fait hurler tout le monde, ça, une anecdote rigolote. Figure-toi que ce soir, là, sur le plateau, derrière moi, la jeune fille à qui j'ai fait ça, elle est là. Regarde, c'est Aurélie. Je l'ai vue tout à l'heure, ma petite Aurélie. Le monde est petit, hein. Aurélie. M'excuse auprès de toute ta famille. Merci Jean-Marie. On va rester dans les animaux avec le spectacle d'Ariel Dombal, La Belle et la Toute Petite Bête. Parlez-nous de ce spectacle. Moi, c'est marrant, non, excuse-moi, parce que j'ai une anecdote, parce que toutes les filles qui sont là, elles connaissent très bien. Elle est bizarre, l'histoire, là, quand même. T'es sur un coup. Sur la pause de tout à l'heure, elle est venue me dire, c'est moi. Moi aussi, elle est venue me dire, c'est moi. Enfin, c'est elle, c'est nous. C'est un spectacle très chaud, je vois. C'est un spectacle de Jérôme Savary. Oui, et c'est pas La Belle et la Bête, c'est La Belle et la Toute Petite Bête, vous en parlez avant qu'on voit un extrait? Eh bien, écoutez, c'est donc la belle histoire de La Belle et la Bête, revue et corrigée par Jérôme. Et on connaît le talent iconoclaste, drôle, généreux de Jérôme. Et donc, ça fait comme ça une sorte de à l'opéra comique, de spectacle tout à fait poétique et alors, sentimental. C'est un DVD formidable. Vous êtes, vous chantez, vous dansez, vous faites plein de choses dedans. Oui, mais je ne suis pas seule. Il y a beaucoup de danseuses, il y a mes partenaires, il y a un prince, et il y a aussi la petite bête qui est jouée par un adorable petit nain. Et voilà, et ce qui est beau, c'est que... Tu as joué dedans, toi? Et l'idée qui est qui est vieille comme le monde, mais si juste... C'est que l'amour transfigure les êtres. Alors, on en regarde un extrait. Oui. Exactement, l'amour amène à tout. On en regarde un extrait de ce spectacle qui a été joué à l'Opéra Comique. Et de temps en temps, on reconnaît un peu du spectacle de Jean-Marie dedans. Regardez. Vous ne vous mettez jamais tout nu, non? Même le soir? Non, vois-tu la belle? L'air, c'est comme ça. Ça garde ses épines nuit et jour. Ça se baigne dans la rivière avec ses épines. Ça dort avec ses épines. Ça fait l'amour avec ses épines. Viens dans mes bras, chérie, tu vas voir. Oh, comme c'est drôle. Je ressens dans les bras de ce curieux animal des sensations que je croyais avoir perdues à jamais. Ariel, quelles sont les sensations que vous retrouvez avec le hérisson que vous croyez perdu à tout jamais? C'est nouveau, un hérisson qui se frotte comme ça. Tu sais comment ils font la main, les hérissons? Comment? Doucement. Ah oui, bah t'imagines. Moi, si je peux me permettre, moi, iconoclaste, en français dans le texte, j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire, parce que franchement, c'est pas dans mon langage. Iconoclaste, vous avez dit? Pas classable. J'ai dit non. Ça oui, pas classable. C'est quelque chose pas classable. Qui... Voilà. Ah oui, oui. Merci, c'est vous êtes gentil, j'ai encore appris quelque chose. Ariel, vous avez un bol, et dans ce bol, il y a la réponse à notre jeu TéléZ. Nous allons découvrir le gagnant de notre jeu. Moi, je porte toujours chance. Il y a les bonnes réponses. La question était dans le film Le Bonheur est dans le Pré, qui a joué aux côtés de Michel Serrault, était Dick River, Maïté ou Eddie Mitchell. Bien entendu, la bonne réponse était Eddie Mitchell. Qui est le gagnant? Eh bien, monsieur Amador Daniel a gagné car il a dit Eddie Mitchell. Eh bien, monsieur. Bravo, vous gagnez un ensemble téléviseur 16 9e grand écran et lecteur DVD, ainsi qu'un abonnement d'un an au magazine TéléZ. Mais ce n'est pas tout, regardez ceci. Vous aussi, vous allez pouvoir gagner un ensemble téléviseur 16 9e grand écran et lecteur DVD, ainsi qu'un abonnement d'un an à TéléZ qui vous propose les programmes de 100 chaînes câblées satellites en répondant à cette question. Pour participer, envoyez votre réponse sur le bulletin que vous trouverez dès lundi dans le magazine TéléZ ou répondez sur papier libre à l'adresse suivante JETF1 TéléZ, les enfants de la télé, CEDEX 3939 99 393 Paris Concours. Dans un instant,
Nous allons nous quitter avec un bêtisier, le plus drôle que nous avons gardé pour la fin. Mais auparavant, je voudrais remercier nos invités. À commencer par Monsieur Michel Serrault. Mille merci d'être passé nous voir. Michel Serrault, vous êtes aux côtés de Christian Clavier et de Ariel Dombal dans Albert et Méchant qui sort le 14 janvier. Allez voir ce film de Hervé Palud. On rit énormément. Merci Christian d'être passé nous voir. Mille merci. Je voudrais que l'on remercie Jean-Marie Bigard. Notre ami Élie Semoun. Merci beaucoup. Les petites annonces sont disponibles. Bien entendu, l'album Chanson d'Élie Semoun. Ariel Dombal, c'est toujours un bonheur que de vous avoir avec nous. Ariel, qui est aussi en DVD dans La Belle et la Toute Petite Bête. Samina Seri, qui est venue pour la trilogie Le Taxi. Et enfin, je voudrais souhaiter un joyeux Noël à tous les téléspectateurs de TF1 et à mon ami Pierre Tchernia, que j'aime très fort. Quitter avec un bêtisier. Allez, regardez, c'est n'importe quoi. Hein. Elle a été, sous la menace d'une arme, obligée par l'allemand Wolfgang Quent à démarrer. Elle a démarré, bande de connards. Je recommence, hein. Bande de cons. Hein. Mademoiselle Pam ne se montre pas pour l'instant, mais toute cette affaire, bien, très bien, connard. Connard. Espèce de vieux con. Petit con. Est-ce que je peux y aller? Paris? Du sang pour des soins. Ça recommence, j'entends votre son. Là maintenant, vous m'entendez bien? Oui, mais j'entends le retour de Paris. 4 grammes, quelque chose. Et le moindre traumatisme supplémentaire. Je ne peux pas parler, j'entends le retour de Paris. Bonjour les enfants. Noël n'est pas un jour ni une saison, c'est un état d'esprit. Connard! Non, non, non! Avant que d'atteindre. Arrêtez! Arrêtez le bruit! Conta! Au nord de la montagne, beaucoup de carabosons. Cet après-midi, face à Gilbera, son ex-compagnon et surtout unique témoin à charge, genre de... Merde! Bon. Est-ce que je peux enregistrer? Oui! Arrêtez! Alors on a tous les le retour, mon Dieu! Vous n'avez pas montré. La plupart... Conta! Je ne peux pas enregistrer, j'entends la voix de votre en retour. Autant vous dire que ces températures sont en hausse et c'est tant mieux. L'évolution dans les prochains jours. Oh putain, ces câbles de chiottes, hein. J'en ai marre de ces câbles de téléphone. Regarde-moi ça, quel bordel j'ai, quoi. En plus, les gars du loto qui installent les machines, ils se foutent... Voilà, on peut recommencer. Voilà la caméra. Je sais pas où elle est, je la vois pas. Tu peux pas mettre ça derrière pour éclairer la caméra aussi, s'il te plaît? Voilà. Tu le mets derrière le truc, comme ça je le vois. Et puis je t'opère avec mon trou du cul, par hasard? Dis donc, t'arrêtes de gueuler, René! T'arrêtes de gueuler, bordel! Je vois pas où est la caméra. C'est sûr que ça me fout, moi. Bon, allez, tiens. La lumière, allez. Merde. C'est terminé. Ça tourne! C'était les enfants de la télé, spécial bêtisier. Mille pardons, nous avons été très longs ce soir en direct. Pardon à Carl Rousteau, restez sur TF1 dans un instant. C'est quoi l'amour? Joyeux Noël, on se retrouve le 31 décembre. Bonne soirée sur TF1. Merci à tous. Et comme le disait Valérie... Au revoir.